On y est arrivé. Je voulais vous remercier d'être là cet après-midi Demande pour si dans le cette fond ils rencontre. t'entendent. Demande si dans le fond ils t'entendent. Oui, je pense qu'on m'entend, parce que j'ai fait des tests tout à l'heure. On m'entend derrière ou pas? Oui, on me fait le signe de la tête que oui. Bon, alors, je vais me présenter. Je suis David Dornat qui organise cette conférence, cette rencontre sur Sanary-sur-Mer. Et c'est vraiment avec une grande joie et un plaisir vraiment important que je puisse recevoir Chantal et Monseigneur Gérard, de mettre en lien deux personnalités, deux histoires différentes. Et c'était vraiment très intéressant de pouvoir les recevoir. Et je les remercie vraiment grandement d'être venus bénévolement cet après-midi pour vous transmettre une énergie, une présence, un savoir et une expérience. Alors, le thème, c'est l'exorcisme. C'est un terme qui peut faire peur. C'est pour ça que j'ai mis derrière ou la puissance de l'amour du Christ et à la grâce de Dieu. Vous avez pu voir sur vos sièges des informations, un flyers pour le prieuré de Saint-Jean, où officie le Père Patrick qui est derrière, qui est exorciste, Monseigneur Gérard également, Monseigneur Georges de Saint-Hirst. Il nous a amené des livres, donc si ça vous intéresse, à la pause, vous pourrez demander au Père Patrick, je serai ravi de pouvoir vous proposer les livres. Alors pour l'organisation, parce qu'effectivement, on a eu au dernier moment des réglementations que je n'étais pas vraiment prévues, donc il y aura une salle qui est juste en face, que je vais ouvrir pour justement les livres, à savoir que de ne pas rentrer à 10, mais à quelques-uns. Donc ça, c'est la première chose. L'organisation de l'après-midi, elle se fait en trois parties, pour ceux qui ne connaissent pas. Une conférence, la conférence avec Monseigneur Gérard, qui va durer à peu près trois quarts d'heure, une heure. Un temps de pause, et puis Chantal va proposer sa rencontre, ou la rencontre avec les êtres qui vont venir et qui vont partager quelque chose avec nous cet après-midi. Alors évidemment, si vous voulez bien vérifier qu'ils sont éteints. Et puis, c'est l'énergie du cœur, hein, la puissance de l'amour du Christ. Et c'est pour ça que je vous ai, enfin pour ça non, mais je vous ai mis une petite pochette rouge. Et vous avez chacun un petit cadeau. Que je suis vraiment avec plaisir. C'est important de mettre en lien encore une fois. Alors, je suis allé exprès les amener à Saint-Laurent-du-Var. Elles ont été bénies pendant une messe sur l'autel. Donc, c'est pas des petites breloques comme ça. Elles ont un sens, elles ont été ouvertes. On appelle ça ouvrir, comme pour les icônes qu'on lit. On les ouvre à un vortex, en tous les cas, avec la prière du cœur, le Christ, qui est le thème d'aujourd'hui, en fin de compte, la reliance au Christ et dans les outils qui vont nous permettre d'alléger. En tous les cas, ça, c'est ma manière de voir les choses. Et Monseigneur Gérard va vous expliciter plus en avant le sacerdoce, parce que c'est vraiment un sacerdoce. Pas tout le monde peut faire être exorciste. Voilà. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez venir me voir. Et puis dernière chose, oui, évidemment, remercier Aurore, parce que sans Aurore, sans les petites mains entre guillemets administratives, gestion, etc., c'est compliqué. Donc je voulais vraiment remercier Aurore également de se mettre en lien. Je voulais juste faire deux dernières informations. La première, je ne sais pas si vous avez vu au niveau de l'écran. Vous êtes là. Au niveau de l'écran, il y a eu à un moment donné un appel aux dons pour un petit garçon qui s'appelle Tom. Alors je laisserai à la pause peut-être Aurore en parler parce qu'elle le connaît mieux que moi. Savoir que l'argent qui est récolté aujourd'hui, comme pour les médias, les médailles, c'est un don de générosité. Alors c'est vrai que c'était un peu cher, on m'a dit que c'était un petit peu cher. Juste savoir que je suis tout seul organisé, donc pour mon salut psychique et pas éviter le burn-out, tout ce qui est billetterie, je l'ai mis sur un site internet qu'on a pu voir, donc ça a des coûts, des frais, et puis tout le reste, les assurances, la location de la salle. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu plus cher. Et puis il y a deux intervenants. Donc je paye au moins
le restaurant. Donc grâce à vous, ce soir, on va manger un bon restaurant. Je vous remercie pour ça. Mais évidemment, on des sous, s'il vous plaît, des sous. Mais évidemment, 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 la totalité, une fois que les charges sont enlevées, vont aller sur des œuvres caritatives. Donc vous savez où va aller cet argent. C'est un argent qui va circuler. Et grâce à vous, vous allez participer à un égrégore, vous allez participer à surtout dans ces temps compliqués, à du positif, à du beau, à du lumineux, à du saint. Donc merci encore à vous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc je vais laisser la parole à Mgr Gérard, des œuvres des hospitaliers de Saint-Jean, qui se positionne, qui se trouve à Saint-Laurent-du-Var, qui accueille des personnes en détresse, oui, parfois, souvent. Et puis, il y a des messes le samedi soir à 18h. Merci à vous, passez une bonne après-midi. Merci, merci David. Merci. Bon, ne rêvez pas, hein, le bon restaurant, la dernière fois, c'était une pizzeria. Hein. Mais peut-être qu'il a changé d'avis. Alors, la galanterie française m'incite à passer d'abord le micro à Chantal, bien sûr. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous avez l'air un peu fatigué, là. C'est moi qui ai les allergies, c'est vous qui êtes fatigué. Donc aujourd'hui, la première partie, comme on a indiqué, le père Gérard va parler peut-être des questions-réponses, peut-être aussi sur... On peut aussi. Un petit débat, quoi. Et après, je ferai la deuxième partie moi-même. D'accord? Voilà, je repasse le micro au père Gérard. On va le faire plusieurs fois pendant les questions. Voilà. C'est un débat plus qu'une conférence. Hein, donc on avait prévu de parler dans un premier temps de l'exorcisme. Alors qu'est-ce qui m'amène ici pour la seconde fois avec Chantal? Eh bien c'est que on travaille dans des domaines très très proches en réalité, et il nous arrive fréquemment de recevoir des gens à notre monastère qui nous disent de venir de la part de Chantal Lafont. Et ceci depuis des années, de très nombreuses années. Donc on a fini, d'abord on ne se connaissait pas, on ne connaissait pas Chantal Lafont, les gens venaient de sa part, on était très surpris parce que les gens nous disaient, Chantal nous a dit qu'il fallait venir deux fois ou trois fois. Et nous on disait, mais de quel droit cette dame décide qu'on doit voir les gens deux ou trois fois? Il s'est avéré que dans 100% des cas, c'était vrai. Il fallait effectivement que les gens reviennent faire deux ou trois exorcismes de manière à être totalement libérés. Donc ça nous avait beaucoup intrigués, bien sûr. Et puis on s'était aperçu qu'elle avait, entre guillemets, le mot diagnostic est un peu hasardeux dans ce domaine, mais les gens arrivaient avec vraiment un problème qui nous concernait très directement. Donc on a peu à peu collaboré, et puis on a fait connaissance un jour, il fallait quand même que ça arrive un jour, et nous avons fait connaissance à Nice au cours d'une soirée qui ressemble à cette réunion-là. Et puis on a bien communiqué, on s'est trouvé apparemment sympathiques les uns et les autres, et ça n'a fait que renforcer nos liens. Et depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'on a une véritable collaboration, entre guillemets, si on veut, hein, que l'on voit dans le meilleur sens du terme, puisque ça nous permet d'aider encore mieux les gens, bien sûr, en apportant chacun dans notre domaine quelque chose de supplémentaire, qui va dans le sens de l'aide aux gens qui en ont besoin. Donc nous sommes dans un petit monastère de... tout près de Nice, dans la vallée du Var, et nous exerçons donc comme activité principale l'exorcisme. Alors l'exorcisme, c'est quelque chose qui a toujours existé, même avant le christianisme, dans les civilisations anciennes, il y avait toujours ces problèmes d'entités qui dérangent les gens, qui quelquefois les poussent même à des solutions extrêmes. Et le christianisme, qui a emboîté le pas à ces anciennes civilisations, n'a pas du tout coupé avec ces problèmes d'exorcisme, mais au contraire, l'a pérennisé d'une certaine façon. Quand vous lisez les évangiles, vous vous apercevez que Jésus est en même temps exorciste et guérisseur. Pourquoi ? Parce que l'exorcisme, c'est une guérison de l'âme.
Et l'âme étant évidemment liée très précisément au corps, il est très fréquent qu'après un exorcisme, alors qu'on ne s'est pas tellement attardé sur le problème, un dérangement physique de la personne, il se trouve que dans les jours ou les semaines qui suivent, pas mal de problèmes se règlent. Donc c'est un véritable sacerdoce des églises, de toutes les églises chrétiennes, hein, puisque ce n'est pas une chasse gardée du catholicisme, ça existe dans l'orthodoxie, ça existe chez les protestants, ça existe dans la plupart des églises chrétiennes. Et le modèle pour l'exorcisme, eh bien, c'est Jésus qui dans les évangiles chasse les démons, demande le nom des démons pour mieux pouvoir l'expulser, etc. Alors comment fonctionne globalement un mécanisme d'exorcisme? Il y a d'abord la nécessité que la personne soit possédée par une entité. Alors il y a toutes sortes d'entités, il y en a qui sont peu puissantes et il y en a d'autres qui sont extrêmement puissantes. Alors pour que ces entités entrent en vous, eh bien, la nécessité numéro un, c'est que vous ouvriez la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, rien ne pourra jamais pénétrer en vous. Mais on ouvre la porte quelquefois sans le vouloir, ça peut être consécutivement à un choc émotionnel violent, un deuil, un abandon, une perte, une séparation, etc. Tout ça nous met en danger psychiquement, et de la même manière que une baisse de votre immunité physique va ouvrir la porte à une pathologie, une baisse de votre immunité psychique va ouvrir la porte à une intrusion d'entités de plus ou moins bonne qualité, plus ou moins identifiée, plus ou moins puissante, qui va s'emparer d'une partie de vous-même, quelquefois même s'emparer totalement de la personne. Et alors le rôle de l'exorcisme par rapport à cela va être à l'aide d'un rituel. Chez nous, nous utilisons un rituel très ancien qui a plusieurs siècles, dont le but est de faire monter la vibration de la personne de manière à ce que cette vibration devienne insupportable à l'entité qui est hébergée par la personne. Et cette entité va avoir qu'un seul désir, qu'une seule volonté, c'est de quitter le corps qui est, qu'elle vient de squatter en quelque sorte. Alors ça va être parfois relativement facile, et d'autres fois ça va être très compliqué au point qu'il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Et puis dans ce monde des entités immatérielles, il faut savoir qu'il y a des hiérarchies, comme il peut y en avoir ici sur le plan terrestre, et que si nous avons quelquefois affaire à des entités de très bas étage, même on pourrait les qualifier de stupides, on a quelquefois aussi, et très souvent malheureusement, des entités démoniaques de très bonne qualité qui nous posent très gros problèmes. Donc tout ça, c'est l'art et le sacerdoce de l'exorciste qui va devoir s'attaquer à chaque fois à un problème différent. Alors il y a des choses qu'on fait assez facilement. Par exemple, c'est le problème des âmes errantes. Vous savez que quand les gens meurent aujourd'hui, ils sont beaucoup plus mal accompagnés qu'il y a quelques dizaines d'années. Avant, on veillait les morts. Il y avait des prières pendant un certain temps pour les âmes du purgatoire, etc. Tout ça a malheureusement un peu disparu, ce qui fait que les gens ne s'élèvent plus aussi facilement dans la lumière qu'ils le faisaient auparavant. Et le résultat est que nous sommes entourés de beaucoup d'âmes errantes, c'est-à-dire des dames de gens décédés, mais qui n'ont pas pu s'élever correctement parce que dans leur vie, elles ont conçu des attachements qui peuvent être des attachements matériels ou affectifs qui les retiennent. Et donc ces âmes-là, on peut très facilement les aider à monter plus haut, c'est facile. Mais il y a aussi de mauvaises âmes errantes, des âmes noires, qui elles ont conçu aussi des attachements, mais de très mauvaise qualité. Vous savez, l'amour peut créer un attachement puissant, mais la haine aussi. Hein, donc vous pouvez être attaché à quelqu'un par la haine, par la malveillance, etc. C'est tout aussi efficace. Et ces âmes-là, évidemment, elles vont vouloir se venger avant de s'élever, donc elles sont un petit peu plus compliquées à faire partir. Et ensuite, il y a les entités démoniaques de tous ordres, de tous niveaux, qui vont évidemment poser des problèmes différents.
Est-ce que tu veux dire quelque chose, Chantal, à ce niveau? J'écoute, je réfléchis. Je... Oui, et je dirais personnellement que pour moi, l'exorcisme, c'est quelque chose quand même de très délicat en fonction de chaque individu, parce que chaque individu, ce n'est pas la même chose, bien entendu. Quand on dit, tiens, telle personne peut avoir telle et telle chose, c'est à la pratique même du curé ou du moine, moine exorciste et tout, parce que chez les bénédictins, l'ordre de Saint-Benoît pratique énormément l'exorcisme. Il y a un rituel qui est bien précis. La personne va réagir plus ou moins bien. Des fois, ça peut être des pratiques plus ou moins douces, mais des fois, il peut y avoir des réactions qui peuvent être très violentes. Et la première des choses que je dirais, la première des choses qui pour moi est une évidence, c'est de ne jamais avoir peur. Que je me rappelle avoir aidé un prêtre une fois et tout ça, et en 8 heures de prière, lui, il a baissé les bras et moi, j'ai continué à prier pour l'aider. Donc, c'était quelque chose de ne pas avoir peur, parce que la peur, ça paralyse et ça empêche de terminer le travail dont l'exorcisme a pratiqué sur la personne. Peu importe si c'est une personne âgée, si c'est une personne jeune, peu importe aussi la religion, le bien-être avant tout, c'est de dégager ces entités, une ou parfois même plusieurs entités chez la personne. Et croyez-moi, quand vous avez une personne qui habitait de plusieurs entités, c'est très délicat, parce que le prêtre pratique et en même temps, il demande, comme le disait tout à l'heure Père Gérard, l'heure de la sortie, va essayer de rentrer en contact avec le démon pour pouvoir donc faire partir ce démon et laisser place à la lumière, laisser place à la paix, à l'amour, à toutes ces choses. Et j'avais remarqué par une personne que j'ai connue autrefois qui était possédée, qui avait des yeux gris, 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 alors que moi j'avais dit, mais dis donc, c'est incroyable, t'as des yeux gris foncés, alors que les yeux, après l'exorcisme, étaient devenus vert clair. Là, ça fait bizarre. Donc, on peut avoir des réactions même physiques. L'important pour les prêtres, s'ils travaillent seuls, c'est une chose. À plusieurs, c'est encore mieux, parce que quand même, on peut avoir la force et tout ça, la solidarité. Et il faut aussi, ne pas baisser les bras et puis terminer jusqu'au bout. L'exorcisme, pour moi, est une pratique comportant certaines prières bien précises. Des rituels destinés à enlever la possession, la magie noire, la sorcellerie, le mauvais œil. Il y a pour moi plusieurs degrés, en fonction du degré. Il existe pour cela des prêtres exorcistes dans le monde du christianisme, des hajjs chez les musulmans, ou des personnes qui font le plomb dans l'islam aussi, qui dégagent aussi des personnes, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, je voudrais aussi saluer toutes ces personnes qui travaillent tous les jours pour aider les gens. Et dans le judaïsme, il y avait ce qu'on appelle autrefois les chachamim, ce qu'on appelle les kabbalistes, qui travaillent avec la kabbale pour dégager les personnes, dégager les entités. Comme je vous le disais, l'exorcisme n'est pas pour des possessions, il n'est pas comme dans des films. Quand vous voyez le film L'Exorcisme, à l'époque, quand ces films étaient sortis au cinéma, tout le monde sortait du cinéma, et je me rappelle avoir vu des personnes qui carrément... se soulager par le haut ou par le bas en sortant du cinéma. Il y avait des réactions très, très, très violentes. On peut enlever l'occulte seulement avec des exorcismes et s'en protéger avec la prière. La prière qui, ne l'oublions pas, a pour but trois choses. Une demande, une glorification et un remerciement. Oui, tout simplement, remercier aussi le prêtre qui vous aura aidé, et puis les entités positives, que ce soit le Christ, que ce soit la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, ou ce qu'on appelle les saints, comme les saintes, qui combattaient eux-mêmes aussi le démon. Parce que chaque saint, que ce soit le Padre Pio, le Saint Curé là, qu'il appelait le grappin, ont toujours été confrontés eux-mêmes à ce qu'on appelle des attaques du démon. Donc si des saints sont attaqués, nous ne sommes pas forcément des saints, on est d'accord ? Vous pouvez imaginer. Mais attention, ce n'est pas magique. Cela ne s'enlève pas forcément en une séance. En fonction de la personne, si la personne est très, très, très chargée, je dirais qu'il y a un espace-temps. Plus la personne est chargée depuis des années, plus ce sera plus ou moins difficile. Je ne sais pas si le Père Gérard va dire pour enlever. Plus c'est récent et plus vite on l'enlève, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et plus la personne va attendre pendant des années, parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même aux frontières de la mort,
ça sera très très difficile à enlever. Il faut parfois donc plusieurs séances, cela dépend de la force, c'est-à-dire du travail même de l'exorcisme, de l'ancienneté du fait avec la pratique, l'exercice de ses fonctions. Après les exorcismes, il faut parfois attendre à peu près, je dirais, entre 2 mois, 3 mois pour commencer à ressentir les bienfaits de ce dégagement et ressentir des choses apparaître. Dernièrement, j'ai vu une dame qui a été dégagée et qui me disait que, je disais, bon, déjà physiquement, incroyable, mais vrai, il y avait le avant et le après, métamorphosé, et qui me disait, c'est drôle, Chantal, je n'ai pas l'habitude, mais quand je marche dans la rue, on m'arrête. Comment ça, on vous arrête? Vous demandez les papiers, elle me dit non, on m'arrête. Bonjour madame, vous savez où se trouve la rue, tel nom? Bonjour madame, est-ce que vous auriez l'heure? Parce que je n'ai pas, j'ai oublié ma montre. Et elle m'a dit, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Elle m'a dit, je consulte un prêtre exorciste. Et puis après, peu de temps après, les gens très gentils, très adorables avec moi, elle se posait la question tout simplement, pourquoi? Parce que ça lui était jamais arrivé de sa vie. Explique que c'est la magie d'invisibilité. C'était ce qu'on appelle de la magie invisible qu'elle avait sur elle. Et il y a d'autres formules au niveau de la magie, parce que croyez-moi, elle est beaucoup pratiquée. On est dans des temps qui sont très difficiles. Et c'est pour ça qu'on recommande beaucoup la prière, qui est très importante. Il y a beaucoup de personnes qui se font exorciser, et une fois qu'exorcisées, ça va mieux, alors ils arrêtent de prier et tout ça. Non, 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 non. Attention. Beaucoup de gens commencent par la prière, et une fois qu'ils vont mieux, hop, ils se lavent les mains, ils arrêtent tout, et puis ils remettent tout dans les, entre les mains du Seigneur ou entre les mains de, du prêtre exorciste. Mais c'est un travail qui s'effectue à deux, ou même à plusieurs. Il y a un échange. Et main dans la main, nous devons travailler ensemble pour pouvoir se libérer et aller vers cette lumière. Voilà ce que je voulais dire. Alors effectivement, c'est très important de savoir si la personne est possédée depuis longtemps ou depuis peu de temps. Il faut savoir aussi que la frontière entre un problème psychiatrique et un cas de possession réelle, la frontière est quelquefois assez floue. En effet, une personne peut très bien présenter des symptômes qui nous laissent supposer qu'il y a un cas de possession et on s'aperçoit en fait que son problème est uniquement psychiatrique. Ça, c'est un problème. Et puis, quelquefois, les gens vont chez le psychiatre, et puis le psychiatre s'aperçoit que ben, ce n'est pas son domaine. Il perçoit quelque chose d'autre qui est là, et quand, comme on correspond avec pas mal de psychiatres sur la Côte d'Azur, souvent, les psychiatres nous adressent des gens, et quelquefois même, ils viennent avec leurs patients pour voir comment ça se passe. Donc, tout ça, c'est pas mal. On peut collaborer, on peut faire des choses. Là où ça se complique, c'est quand les deux problèmes se conjuguent, parce que rien n'empêche qu'ils existent en même temps. C'est-à-dire qu'une personne présente à la fois un problème psychiatrique et en même temps un cas de possession avérée. Alors dans ce cas-là, évidemment, nous, on peut agir que ce qui est, sur ce qui est du domaine de la possession et le reste, évidemment, relève du médical ou d'autres choses. Donc on n'est pas des magiciens, on ne peut pas résoudre tout et notre domaine est circonscrit à ce qu'on sait faire, bien sûr, et à rien d'autre. Alors, le processus aussi, c'est qu'on ne sait pas comment les choses ont commencé. Vous voyez, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui à la suite d'un violent choc émotionnel, a ouvert une porte qui a fait rentrer une entité. Et cette entité, elle va s'installer, elle va faire son trou dans la personne, elle va faire son espace. Et ça va, à la longue, engendrer une souffrance. Et cette souffrance peut amener peu à peu un problème psychiatrique. Et à ce moment-là, les deux vont cohabiter. Donc ça va être une grande souffrance pour la personne. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être une personne qui a une fragilité psychologique ou psychiatrique et qui, à cause de cela, justement, va avoir une baisse d'immunité psychique et va faire entrer une ou plusieurs entités. Donc on sait un peu le problème de l'œuf et de la poule. On ne sait pas trop qui a commencé. D'ailleurs, en fait, ça ne nous intéresse pas vraiment puisque l'histoire de la possession n'est pas le véritable problème. Le problème, c'est d'arriver à libérer la personne et on essaye de faire toujours ce qu'il faut. Alors, on se rend compte quelquefois, effectivement, qu'on est aux limites de ce qu'on peut faire. Voilà. Et on est obligé de renvoyer des personnes. Souvent, on les a libérées d'un point de vue
possession, mais on n'a pas pu agir sur le problème psychiatrique. On note depuis quelque temps, depuis les débuts des problèmes de Covid, on note une recrudescence quand même de gens qui viennent nous voir avec des problèmes qui relèvent quand même beaucoup du psychiatrique. Les gens ont mal vécu les confinements, ont mal vécu l'ambiance générale qui s'est développée en Europe par rapport à cette maladie. Et ça a touché psychiquement beaucoup de gens. Et on s'en aperçoit aujourd'hui. Alors dans notre petit monastère, pour vous donner une idée, on reçoit un peu plus de 2000 personnes chaque année, ce qui fait environ une dizaine, une quinzaine par jour. Bon, on est plusieurs, bien sûr. Et puis, il faut savoir que sur ces 2000 personnes, nous avons la moitié des gens qui sont déjà des soignants. Ça peut être des gens du corps médical, ça peut être des gens des nouvelles thérapies énergétiques ou autres. Tous ces gens, mais ça c'est naturel et c'est normal, se mettent en danger. Ils se mettent en danger parce que dès que vous êtes en présence de quelqu'un qui ne va pas bien, ben vous avez la possibilité d'éponger un peu de ces problèmes. Alors si vous êtes vous-même très clair, très équilibré, etc., vous ne risquez rien. Mais quand vous en faites profession, ben, vous n'êtes pas sûr d'être tous les jours au top de votre forme. Et il peut arriver un matin où vous n'êtes pas très bien de recevoir quelqu'un qui est vraiment très mal, par contre. Et là, vous allez avoir un échange énergétique de mauvaise qualité. Donc, on reçoit beaucoup de thérapeutes de toutes sortes qui ont des problèmes, quelquefois pas graves du tout. Ils se sont chargés seulement avec des miasmes comme ça qui ne sont pas très faciles à supporter ou à vivre, et d'autres qui malheureusement présentent des cas infiniment plus graves. Donc ça c'est à peu près la moitié de notre problème. On va assez peu dans cette tranche de patients trouver des gens avec des cas graves de possession. La seconde partie des gens que l'on reçoit, on va dire dans les 40-45%, relève de la magie noire, du mauvais œil, des sorts qui sont jetés, etc. Alors, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on parle de choses qui relèvent du Moyen-Âge, mais en fait, hélas, non seulement c'est pas le Moyen-Âge, c'est bien aujourd'hui, et c'est en recrudescence. De plus en plus de problèmes de ce genre apparaissent. Et ça, évidemment, ça fait des dégâts considérables, et ça peut être à l'origine de cas de possession extrêmement graves. Et puis il y a évidemment la tranche finale qui est bien plus réduite à environ, c'est difficile de donner des chiffres, mais disons 5% par exemple, qui représente effectivement les cas, on va dire, de possession démoniaque avérée. Alors là, on est dans ce qu'on fait de plus fort, et c'est quand même relativement rare, mais 5% de 2000 personnes, ça fait quand même du monde. Et là, évidemment, vous assistez à des scènes assez inimaginables, qui ont donné évidemment naissance au film. Chantal parlait du film L'Exorciste, qui n'est pas d'ailleurs un très bon film sur le sujet, bien sûr. Si vous voulez voir un film qui se rapproche assez bien de la réalité, essayez de retrouver le film qui s'appelle Rite, et Rite et eux, avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Anthony Hopkins, voilà, c'est ça. Bon, nous, on l'a visionné, ce film, ça nous a paru, il nous a paru être le film le plus réaliste de tout ce qui existe actuellement sur le marché. Les autres sont un peu trop cinéma américain. De toute façon, il y a quelque chose qu'un film ne pourra jamais retranscrire, parce qu'évidemment, ce sont des acteurs, bien sûr, et puis en plus, c'est un film, quand vous êtes vraiment en présence de la personne possédée, c'est l'énergie de terreur qui peut se dégager de cette personne, qui peut vous liquéfier sur place. Ça, aucun film ne vous le rendra jamais, sauf sous forme d'une peur visuelle comme ça. Mais cette puissance énergétique qui se dégage au cours d'un véritable exorcisme, ce n'est pas traduisible, sauf si vous en êtes un témoin direct. Et ça, c'est très très puissant. Et c'est ce qui explique, comme Chantal y a fait allusion tout à l'heure, que nous avons quelquefois des prêtres exorcistes qui lâchent prise. Ils lâchent prise parce que, alors qu'ils devraient avoir une grande stabilité émotionnelle, alors qu'ils devraient avoir un charisme comme un véritable char d'assaut, là, eh bien non, ils ont un moment donné où, dans l'exorcisme, parce que c'est difficile, le doute leur vient. Le doute vient et ils peuvent aller jusqu'à
absorber l'entité de la personne. Il y a un transfert qui s'opère. Et là, évidemment, c'est catastrophique. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de problèmes pour trouver de bons religieux exorcistes. Il faut savoir d'abord que ce n'est pas une vocation. On ne rentre pas dans l'église pour être exorciste. On rentre dans l'église pour être religieux. Il n'y a qu'un seul exorciste. Normalement, c'est l'évêque. L'évêque qui, par sa consécration, reçoit le pouvoir d'exorcisme. Et l'évêque, lui, va déléguer son pouvoir à des prêtres exorcistes qu'il sélectionne, qui va sélectionner sur leur personnalité, la puissance de leur charisme, leur stabilité émotionnelle, leur qualité humaine, qui vont apporter toutes les garanties d'un bon fonctionnement dans une pratique, dans un sacerdoce d'exorcisme. Malheureusement, nous avons connu des échecs dans notre monastère. On a sélectionné parfois des religieux qui nous paraissaient présenter toutes les meilleures conditions. Et puis on s'est aperçu, malheureusement, à la longue, qu'ils étaient tombés dans tous les pièges dans lesquels peuvent tomber les exorcistes. Alors le premier piège, je vous en ai parlé, c'est la peur. Un exorciste qui a peur, il ne peut pas rester exorciste très longtemps. Ça peut être aussi le piège de l'ego, c'est-à-dire à un moment donné... L'exorciste qui dit « c'est plus Dieu qui exorcise, c'est moi », là il est mort. Donc nous avons eu tous ces cas-là, évidemment. La pratique de l'exorcisme demande une forte personnalité, demande beaucoup d'humilité, demande une grande simplicité, de remettre chaque fois son ouvrage sur le métier. C'est très compliqué, c'est très difficile, mais c'est un sacerdoce absolument fabuleux pour le religieux qui en est... réellement imprégné. Il faut savoir qu'on se met en danger, c'est très dangereux, on peut aller jusqu'à en mourir dans certains cas. C'est la raison pour laquelle il faut suivre une longue formation. Plusieurs années quelquefois sont nécessaires, tout dépend de la personnalité du religieux. Et puis il faut savoir aussi peut-être à un moment donné, vers la soixantaine, ralentir un peu et aller peut-être même jusqu'à arrêter totalement vers 70 ans. Je crois que c'est plus prudent dans certains cas, parce que ça demande tellement d'investissement personnel, physique, mental, psychique, etc., qu'il faut savoir aussi, là, comme dans d'autres métiers, prendre sa retraite. Alors on peut commencer par une demi-retraite, et puis petit à petit ralentir un peu son travail. Il faut savoir aussi qu'on n'exorcise pas que des êtres humains, on peut le faire également... pourquoi pas pour des animaux, les animaux sont des êtres sensibles et peuvent avoir des problèmes du même ordre, différents mais du même ordre. Et puis nous faisons également, bien sûr, l'exorcisme des lieux, bien entendu, ça c'est très très important. Les lieux peuvent être imprégnés, il peut y avoir des intrusions très anciennes. Il y a des lieux qui peuvent être habités par des entités de mauvaise qualité depuis des siècles, Il m'est arrivé, je me souviens, ça fait quelques années, à Strasbourg, près de la cathédrale, dans une très ancienne maison. Il y avait une cave voûtée. J'ai fait l'exorcisme de la maison qui était vide. Et quand je suis descendu dans cette cave, j'ai été violemment bousculé comme si quelqu'un me donnait un coup d'épaule. Oui. Alors que j'étais seul. Donc je dérangeais vraiment une entité, mais qui était suffisamment densifiée pour provoquer un choc physique. Bon, c'est relativement rare. Il ne faut pas avoir peur à ce moment-là, parce qu'on ne se sent pas trop bien. C'est pourquoi on a toujours de l'encens, une bougie, de la lumière, etc. On a un rituel qui fait qu'on se protège, mais quand on n'a pas l'habitude, la première fois que ça nous arrive, c'est assez impressionnant. Chantal ? Oui, et souvent, il y a beaucoup de personnes aussi, on peut parler de l'auto-envoûtement. Moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir, qui me disent « j'ai tel et tel souci ». Je suis envoûtée, tout ça, et moi je dirais, non, vous n'êtes pas envoûtée, vous avez ou des problèmes psychosomatiques ou des problèmes psychiques. Et là, il faut savoir diriger vers soit un psychologue, un psychiatre ou autre, s'il y a par les médecines douces, là où interviennent les thérapeutes aussi, où on peut aider. Je voudrais parler aussi d'une chose qui est importante, des fameux esprits possessifs. Comme l'indique le nom, les esprits possessifs, ce sont des esprits bien particuliers, parce qu'il y a plusieurs catégories d'esprits dans le monde des esprits. Et les esprits possessifs, c'est sont ce que nous allons retrouver chez certaines personnes qui auront une accoutumance soit par l'alcool,
soit par la drogue, soit par les jeux, soit par tout ce qui est comme une possession et qui va nous diriger tout le temps, toujours vers les mêmes choses. Quand vous avez affaire à des personnes qui sont prises par des esprits comme ça possessifs, l'alcool, la drogue ou quoi, s'il n'y a pas quelqu'un pour vraiment dégager une personne pareille, ça peut durer toute la vie, même jusqu'à la mort, et ça s'amplifie, et là ça devient vraiment personnellement très 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 dangereux. Je m'explique. Lorsque nous avons affaire à des exemples, à des esprits possessifs, ceux-ci se collent à nous et nous poussent à boire, à jouer, à avoir des comportements agressifs, parfois même violents. C'est ces fameuses personnes que vous allez rencontrer dans la rue et que vous entendez parler tout seul dans la rue, à voix haute. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous allez par exemple dans des lieux un peu comme les gares routières, les gares SNCF, et vous croisez des gens qui sont, on les appelle parfois les SDF, sans domicile fixe, hein, qui sont des êtres humains à part entière comme tout le monde, et qui vont faire que ces personnes, vous les entendez parler avec quelqu'un, mais vous dites, mais à qui il parle, à qui il parle, il parle avec qui? Pour vous, vous allez dire, non mais il perd la tête, c'est une personne qui est possédée ou qui n'est pas bien du tout, perd la tête, mais il va parler ou communiquer avec certains mondes, certains sphères, avec certains plans au niveau de certains esprits. Et c'est ce qu'on appelle les esprits possessifs. Et je voudrais aussi donner la particularité aussi, on en parlait tout à l'heure, heureusement il y a beaucoup de prêtres qui exorcisent les animaux. Alors, il y a ce qu'on appelle une prière qui est la prière de la tranchée des chevaux, pour les chevaux. Ben oui. Parce que moi j'avais rencontré un gars qui était dans l'arrière-pays niçois, qui avait des chevaux et tout ça, et qui ne comprenait pas. En 15 jours de temps, tous ses chevaux sont tombés malades et tout ça. Alors, on disait autrefois, il y avait ce qu'on appelle un livre où ils pratiquaient beaucoup la magie, les gens, ils faisaient le grand Albert ou le petit Albert. Et alors, les vaches tombaient malades, les chevaux tombaient malades, les chats tombent malades, les chiens, etc., etc. Et des fois, on se pose des questions, comment se fait-il qu'un animal en pleine santé, en pleine force, en pleine puissance, puisse du jour au lendemain tomber gravement malade? Tout cela par la jalousie, l'envie, ce qu'on appelle la mauvaise parole, le mauvais regard, on appelle ça en hébreu la shunara et la haïnara, qui veut dire le mauvais œil ou la mauvaise parole par rapport à des animaux. Donc oui, on peut dégager des animaux, parce que je pense à un jeune homme que j'ai connu qui était infirmier, qui habitait dans le nord de la France et qui avait acheté un chien superbe, un malinois énorme, très très beau, très belle bête. Et un jour, il est rentré chez lui, de son travail et tout. Il avait vu pas mal de personnes apparemment qui n'étaient pas très bien. Et son chien, qui était adorable, un amour, lui a montré carrément les crocs comme ça, comme s'il avait senti une présence ou quoi. Et il a essayé de parler à son chien en lui demandant que c'était lui, qu'il le reconnaisse. Il ne comprenait pas pourquoi le chien montait ses crocs, alors que ça faisait à peine 2 ans qu'il avait son chien. Le chien l'a chargé. Il a eu juste le temps de mettre le bras pour se protéger et le chien a attaqué son maître au niveau du bras. Il a planté les crocs dans le bras et tout ça. Je ne vous dis pas, il a eu je ne sais pas combien de points de suture et tout ça. Et malheureusement, bon, les gens n'ont pas compris tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu abattre le chien. Ils ont dit que le chien avait attrapé soi-disant la rage ou quelque chose. Je dirais, moi, pour moi, ce n'était pas la rage qu'il avait attrapé le chien. C'était des mauvais esprits tout simplement. Donc il peut se passer énormément de choses, des choses dans lesquelles vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il n'y a pas que la jalousie ou l'envie ou la mauvaise parole ou le mauvais regard qui peut attirer des mauvaises choses sur les gens. Mais ces fameux esprits possessifs, malheureusement, ils existent, ils sont là, parce qu'il y a de plus en plus de gens, malheureusement, qui boivent ou qui se droguent ou qui pratiquent certaines choses et tout ça, mais ça leur appartient, c'est personnel, hein, tout ça. L'exorcisme peut enlever ce qu'on appelle toutes sortes de magies, que ce soit la magie noire, la magie rouge et noire, la magie de sacrifice, la magie rose, la magie d'amour. Ben oui, parce qu'il y a des personnes qui vont voir des voyants ou autres et qui font faire ce qu'on appelle des retours d'affection. Allez. Une fois, j'ai une dame qui est arrivée avec une mallette, un peu ancienne, la mallette et tout ça. Bonjour madame, je la vois, elle avait une grosse mallette comme ça, mais j'ai Mais vous savez, quand vous voyez une mallette, vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a tout le temps dedans, hein, parce que vous ne comprenez pas pourquoi elle avait cette mallette. Donc elle avait eu du mal à trouver déjà mon adresse. À cette époque-là, j'habitais dans un petit studio, une pièce dans la région parisienne, j'étais à Paris. Elle monte,
Elle garde sa Porsche Carrera en face de ma maison. J'ai dit, oh là là, les voisins, ils vont me demander qu'est-ce qui se passe. Elle sort avec sa petite mallette, pas de sac à main, une petite mallette. Elle arrive chez moi, elle pose la mallette sur le bureau. Clac, clac, elle ouvre des deux côtés. Il y avait des bifetons dedans, j'avais des piles. Elle me dit, ben ça c'est, je vous offre tel tarif, si vous pouvez me faire revenir mon mari ou quoi. J'ai dit, écoutez madame, vous avez la porte, là vous avez la fenêtre, vous choisissez laquelle des deux. Et moi, à mon avis, je crois, alors j'ai fait clac, clac, j'ai redressé la mallette, je lui ai donné dans les mains, j'ai dit, prenez la porte madame, s'il vous plaît, au revoir madame. Oui. Je ne fais pas partie de ce monde-là, d'accord? Mais la tentation, elle peut être aussi difficile. Essayez toujours de garder le cap, le droit chemin, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme on le disait à table tout à l'heure, qui se disent être médium, guérisseur, voyant. Puis alors, pour un peu, ils sont tous. Passeur d'âme, médium, guérisseur, voyant, exorciste, machin. Oh là là, une fois, j'avais une dame qui s'est venue me voir en consultation. Elle faisait tout. Je dis d'ailleurs, je ne comprends pas, vous faites tout, pourquoi vous venez me voir? Ben oui. Donc, quand vous avez affaire à des gens comme ça, c'est délicat. Hein, faut savoir que c'est vous qui vous adaptez à cette fameuse sorcellerie, parce que parfois, j'ai envie de dire, c'est comme le caméléon. Vous allez prendre la couleur de la chose et vous allez vous adapter à cette chose dans laquelle vous allez vivre parfois même pendant des années et qui est douloureuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en souffrance et on n'a pas envie de rigoler quand on voit des gens comme ça. Vous allez prendre la couleur de la chose, vous allez vous adapter à cette chose parce que vous n'avez pas le choix. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas complètement dans votre vie, que ce soit amour, santé, travail ou autre, ben là on va chercher à aller consulter, essayer d'aller voir quelqu'un. Il est évident qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent voir certaines choses, mais d'autres qui n'arrivent pas à voir certaines choses. C'est pas donné à tout le monde. C'est pareil que pour les prêtres. Hein. C'est exactement pareil. Tu peux rajouter, Chouchou, parce qu'il y a tous ceux qui veulent pratiquer aussi, soi-disant, la magie blanche. Ah oui, il y a beaucoup de gens aussi qui disent, moi, je pratique la magie blanche. Moi, le mot magie, déjà, ça me fait, ça m'horripile. Que ce soit magie blanche, magie noire, magie rouge, etc. Le mot magie, quand j'entends magie, moi, ça ne me fait pas. Et il y a beaucoup de gens aussi qui pratiquent aussi pour essayer d'être dans le pouvoir. Avoir ce qu'on appelle pouvoir. Moi, je dis, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir. Moi, je ne suis rien du tout. Ah, mais vous avez des noms où on me dit, vous êtes une star, je ne suis pas une star. Moi. Peut-être dans ma salle de bain, encore. Quand le miroir, il me regarde, vous devez avoir peur. Oui, la magie blanche, ce sont des rituels avec des bougies et tout ça. Les bonhommes en allumettes. Les bonhommes allumettes et tout ça. Toutes ces choses, toutes ces pratiques, il ne faut pas toucher à ces choses-là. Si vous commencez avec ces choses-là, c'est terminé pour vous. Puisque vous rentrez dans une formule de dépendance, et c'est très mauvais. Les dessins agissants, toutes ces choses qui sont en pratique et tout ça, et qui font partie pour moi de l'occulte, parce que ce n'est pas naturel. La meilleure des choses quand vous avez des problèmes, c'est de la prière. Ça ne coûte pas cher, c'est très bien, vous êtes libre, vous pouvez rentrer dans n'importe quel endroit. Pour moi, je peux rentrer dans n'importe quel endroit. Pour moi, la maison où il y a Dieu, que ça soit une synagogue, que ça soit une mosquée, que ça soit une église, à partir du moment où on va avec son cœur, avec son amour et qu'on essaie de prier pour établir un contact avec le divin, peu importe, comme je l'ai dit toujours, peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe la race, la couleur, chez les gens, tout ça, c'est l'individu qui va faire ce qu'il va faire par rapport à toute sa vie. Il y a bien entendu l'éducation, vous allez avoir une éducation, vous allez avoir une formule où vous allez dire... Je parlais l'autre jour avec une dame parisienne qui me disait, je suis algérienne et tout, Chantal, chez nous, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dis, ben, il n'y a pas que chez vous, hein, parce qu'ils disent toujours les Noirs, les Arabes et tout ça, mais même les Français, ils font, ne vous inquiétez pas. Hein. Dans les fins fonds de la Normandie ou de la Bretagne, des trucs comme ça, les typiquement français, dans les fermes, quand je disais tout à l'heure, les vaches qui meurent, les chevaux qui tombent, les trucs qui tombent en panne et les manifestations qu'il peut y avoir. Heureusement qu'il y a des prêtres qui peuvent dégager des maisons, parce que plus les maisons elles sont anciennes, c'est comme l'art de la psychométrie, plus c'est ancien, plus c'est chargé. Donc plus c'est ancien, plus c'est chargé, et plus ça peut être chargé en ondes positives comme en ondes négatives. Et c'est là où le prêtre va intervenir, parce que quand il va rentrer dans une maison, autrefois on bénissait les maisons. Beaucoup de gens achetaient une maison, ils la faisaient bénir. Maintenant, ils ne le font plus.
Vrai ou faux? Autrefois, dans l'ancien temps, quand, avant de pénétrer dans une maison ou une ferme ou autre, on faisait ce qu'on appelle brûler du soufre. Pourquoi le soufre? Vous avez essayé de faire brûler du soufre chez vous? Ça sent une odeur, c'est une force. C'est pour chasser les entités. Aujourd'hui, il y a un phénomène de mode, c'est la sauge qu'on va employer. On va faire brûler de la sauge dans la maison pour dégager la maison, tout ça. Il y a d'autres encens, comme le benjoin ou comme autre chose et tout ça pour la maison. Mais autrefois, les anciens, avant de pénétrer dans une maison, quand ils faisaient ce qu'on appelle une bonne fumigation de soufre, croyez-moi, le soufre, ça attaque. Hein, on faisait brûler du soufre, ça sentait très très fort. On fermait la maison, les personnes allaient partir peut-être une après-midi ou une heure ou deux. Ils revenaient dans la maison. Alors vous étiez obligé de vous mettre un torchon mouillé sur le nez ou quoi, ou même le masque, ça aurait été extraordinaire. À l'époque, on ne portait pas de masque, je crois pas. Hein. Donc on rentrait dans la maison, on ouvrait toutes les fenêtres et tout ça. Et donc on disait que la maison après était plus ou moins... Pourquoi le soufre? Pour chasser tout simplement les entités. Et pourquoi tu bénis les maisons, chouchou? Pourquoi on bénit les maisons? Parce qu'une maison a une âme. À chaque fois que vous rentrez dans une maison, il faut la saluer. Parce qu'il faut savoir que vous avez une âme dans la... C'est une maison. Même si elle est moderne, plus ou moins, c'est encore plus chargé si elle est ancienne. J'étais dans la région après Toulouse, à la campagne et tout ça, et je suis arrivée pour faire une conférence dans le sud-ouest chez une dame qui avait un petit corps de ferme avec son mari et tout ça. Oh là là, j'arrive, elle m'ouvre le portail, ils avaient fait le travaux. Monsieur était menuisier. Je rentre comme ça dans la cuisine et tout ça. Tout d'un coup, je me tourne à droite à l'entrée. Je dis, pour me laver les mains, s'il vous plaît, me dire là. Ah ben, j'ai dit, mais non, j'y vais pas là, pourquoi? Parce que j'ai dit, je vois un monsieur là. Alors j'avais un monsieur, c'était apparemment le paysan qui vivait là, bien debout devant l'entrée de la porte, qui me regardait en fronçant les yeux. Ici, vous êtes chez moi, qui me dit. Bonjour monsieur, vous allez bien? Il me disait, ici vous êtes chez moi, donc c'est chez moi, c'est chez moi. J'ai dit, ben oui, ben tout ça. À un moment donné, il me dit, bon ben vous rentrez dans la maison, moi je rentre dans la maison, tout ça. Oh là 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 là. C'était chargé. Tout d'un coup, sur le côté gauche, c'était la cuisine, mais c'était plus la cuisine. Vous savez ce que j'ai vu? J'étais transportée dans les années 1940, Deuxième Guerre mondiale. Les casques, les Français. Et j'ai vu un endroit où ils étaient tous assis, un peu comme le siège de la Gestapo, et qui torturaient les personnes dans cette maison. Et la dame, elle me dit, je ne comprends pas, Chantal, depuis que je suis dans cette maison, je me sens mal. Oui. Ancien siège de la Gestapo, où on torturait les personnes, on peut se sentir mal. Donc, en psychométrie, ce qu'on appelle la mémoire des murs, la mémoire des objets, la mémoire des photos. D'ailleurs, à ce compte-là, à Vichy, quand j'allais faire des conférences, il y avait toujours un monsieur qui est radiesthésiste et tout, qui venait me chercher à mon hôtel pour aller m'amener à la conférence parce que c'était le soir. Et quand on passait dans une rue, il y avait une maison d'angle comme ça. Oh, et quand je regardais cette maison, j'étais affolée tellement elle était chargée et tout ça. Il me dit... J'ai dit, oh là là, je vois des pendus, là, je vois plein de choses. Et il me dit, ben oui, ben là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Vichy en plus, c'était le siège de la Gestapo. Je dis, décidément, ça commence à bien faire. C'était le siège de la Gestapo. Et puis là, bon ben, aujourd'hui, dans cette maison, à Vichy, c'est un médecin qui vit dans cette maison. Parce que chaque personne qui vivait dans cette maison, au bout d'un certain temps, ils ne pouvaient plus rester, ils étaient obligés de partir. La seule personne qui peut rester, c'est normal, pour réparer toutes les fautes de tout ce qui a été, réparer toutes les tortures, un médecin. Qui ne peut mieux qu'un médecin pour soigner, guérir et soulager les gens? Donc c'était de circonstances. Rien n'est par hasard. Les animaux, tu ne l'as pas dit, chouchou, qui prenaient le mal aussi? Les animaux prennent le mal. Par exemple, vous avez une personne qui a envoûté, ben vous avez les chats. Les chats, il n'y a pas plus médium qu'un chat. Ils vont prendre tout le mal. D'ailleurs, le chat va venir se poser sur vous, va prendre tout votre mal et va essayer de le déposer ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des maladies sur les animaux, les chats, qui les meurent. Chiens.
les chevaux, les ânes, etc. et tout, et qu'on n'arrive pas à donner d'explication. On est d'accord ? Mais rien n'est par hasard. Il est évident que quand vous avez un animal depuis 15 ou 20 ans, comme des chats 28 ans, des choses comme ça, ben le chat à côté de vous, il va se charger. Il prendra tout le bon, comme tout le mauvais que vous pourrez avoir. Vous allez partager. Et souvent, je voulais d'ailleurs remercier toutes ces petites bêtes et tout à quatre pattes, qui sont extraordinaires, parce que j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient des envies de mourir, mais dans lesquelles vous ne pouvez pas vous imaginer, en prenant un chat ou un chien qui retrouvait le goût de vivre, le goût de se battre, le goût d'avancer, l'énergie nécessaire grâce à ce petit animal à quatre pattes pour retrouver ce qu'on appelle l'amour, tout simplement. Celui qui nous élague, qui nous permet d'avancer et de se battre tous les jours au quotidien. Comme je disais, quand vous avez un chat ou un chien minimum, vous en prenez minimum pour 15 ans de votre vie. C'est pas une prison. Hein. Ouais, c'est pas 15 ans de prison. Mais quand moi j'ai envie de ma chienne, je disais toujours, on me disait, oh là là, tu sors ta chienne. Je dis, non, c'est pas moi qui sors ma chienne, c'est ma chienne qui me sort. Comment ça, ta chienne te sort? Ben oui, le matin, le midi, le soir, ma chienne me sortait. Et elle ressentait beaucoup de choses. D'ailleurs, par rapport aux animaux, je voudrais dédicacer par rapport aux chiens, les chiens blancs, ergotés, qui ont des ergots aux pattes, ce sont des chiens qui voient. Et qui ressentent beaucoup de choses au niveau des entités, bonnes comme mauvaises. Et c'est pour ça que vous voyez, des fois dans les maisons, quand vous voyez un chat ou un chien qui tourne la tête, qui regarde comme ça, vous, vous dites la même chose, vous allez tourner la tête et vous allez tourner la tête dans le sens, et puis vous ne voyez rien du tout, alors que le chat ou le chien verra l'entité, ou verra les défunts, ou verront toutes ces choses. C'est magnifique. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vous pouvez... Il faut savoir, c'est vous qui vous adaptez aussi à cette sorcellerie, parce que combien de personnes j'ai connues qui vivaient, qui ne vivaient pas, parce que pour moi c'est pas vivre, qui survivaient pendant des années de toute une souffrance et autres. On n'a pas envie de rigoler quand on a face à ça. Pas le contraire, vous pouvez vivre longtemps comme ça, ou survivre, parce que moi je dis c'est pas vivre, c'est survivre. Elle va alors, j'ai remarqué, quand des personnes déménagent ou changent de lieu et tout, cette magie, elle va se casser ou moins opérer. Mais quand les personnes retourneront dans le lieu où tout aura commencé, ça reviendra très, très, très vite au galop. Mais c'est 300 km, t'avais dit. Il faut minimum à peu près 300 km pour que cette magie commence à se casser et tout ça. Il y a des personnes, malheureusement, j'ai connu un monsieur égyptien que j'aimais beaucoup, que j'ai retrouvé à Nice d'ailleurs, avec sa femme et tout, qui avait énormément de problèmes. Et il travaillait dans la restauration, ce monsieur égyptien, et qui avait plein de problèmes avec d'autres collègues de travail, alors qu'il était serveur, c'est tout, dans un restaurant. Et je lui dis à un moment donné, là, il va falloir partir, parce que là, c'est plus possible. Vous en avez tellement ici qu'il faut quitter. Et il n'a pas voulu m'écouter. Il est revenu un jour me voir, il avait un début de cancer de la gorge. Donc je lui dis, vous avez compris qu'il fallait partir. Il me dit, là, je crois que je vais partir là maintenant. Donc, il avait sa belle-fille qui s'était installée sur Nice, et de Paris-Nice et tout ça. Et quand il est arrivé à Nice, il n'avait pas de travail, il vivait dans un studio chez sa belle-fille pendant un certain temps, il a tout recommencé à plus de 55 ans, sa vie à zéro. Retrouver un travail, chercher un appartement, tout ça. Et maintenant, à la grâce de Dieu, il est beaucoup plus heureux et tout ça. Mais il a fallu qu'il tombe malheureusement malade, physiquement, pour comprendre qu'il y avait quelque chose de grave qui s'est passé. Et souvent, les personnes sont aux frontières de la mort pour comprendre que là, on n'en peut plus, que c'est humain, et qu'il faut réagir et faire quelque chose. Oui. N'attendez pas d'être allongé à l'article de la mort pour comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de pas bon. Oui, mais dis bien que c'est pas parce qu'il est pas... C'est, ça casse, mais c'est pas parti. Dis bien que c'est... C'était pas parti, mais il avait quand même un soulagement, et voilà. Après, il a pu se faire nettoyer et tout ça, et puis revivre, tout simplement revivre. Parce que c'est pas facile. Il est évident, comme je l'expliquais tout à l'heure, une personne qui est possédée, c'est pas pareil qu'une personne qui est endoutée, c'est pas pareil si on fait des trafics, parce que beaucoup de gens travaillent sur photos avec des bougies ou autres. On en fait des frais parfois, tu connais la question. Surtout quand vous dérangez. Tu connais le problème. Donc,
il va falloir un certain temps pour pouvoir dégager ces personnes et tout ça. Des fois, il faudra une fois, ça sera bien. Des fois, 3-4 fois. Des fois, il faut faire aussi même des contrôles et revenir, je dirais peut-être même chaque année pour voir un peu comment ça va. C'est comme un baromètre. Pour enlever la racine. Pour enlever la racine et arriver à la racine, cette racine qu'aura poussée depuis des années, peut-être même 20 ans, 30 ans, 40 ans ou autre, et qui ne sera pas facile à dégager et à enlever. Voilà ce que je voulais dire. Et aussi, quand la personne qui a pratiqué la magie, c'est pas parce qu'elle meurt que la magie, elle part, tu peux le dire. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, tiens, ma grand-mère, elle m'a fait ceci, mon père, ou quelque chose comme ça, elle décède. Alors, on m'a posé la question, si une fois la personne qui faisait de la magie, est-ce qu'elle pouvait continuer une fois décédée dans l'au-delà ? Oui, elle peut continuer. Donc, si on ne vous protège pas, ou quoi, c'est quand même extraordinaire. J'avais une amie normande qui était voyante, une excellente voyante, qui avait 5 enfants. Sur ses 5 enfants, elle avait une fille qui allait souvent en Afrique. Et en Afrique, bon, ben, elle fréquentait des brahmes, comme on dit. D'accord ? Et tout ce qu'elle faisait, c'était pour réussir. Sur les 5 enfants, elle était tellement jalouse de ses frères et ses sœurs qu'elle les avait envoûtés. Un était dans la drogue, l'autre était dans la prostitution, l'autre était ce qu'on appelle dans le grand banditisme, affiché dans le grand banditisme avec des armes, trafic d'armes et autres. Et puis le quatrième, je ne sais plus, mais enfin c'était une catastrophe quoi. Jusqu'au jour où j'ai dit à cette amie, il y a quelqu'un de très proche qui te veut du mal. Elle m'a dit non, c'est pas possible et tout. Non, mais moi je vois tout ça. Ben, je dis, ben, tant mieux, si tu vois tout, c'est parfait. Hein. Et un jour, je lui ai dit, écoute, va dans telle maison et fouille. Alors elle était avec le portable, c'était au tout début quand il y avait des portables. Et elle m'appelle, elle me dit, ça y est, je suis dans la pièce, hein, qu'est-ce que je fais? Fouille partout. Comment ça? Mais non, j'ai pas les clés, j'ai pas. Fouille, je te dis. Alors elle me dit, arrête, tu me fais peur et tout. Je te dis, tu fouilles, je te tiens au téléphone, fouille en même temps. Elle me dit, j'arrive devant une porte, mais la porte est fermée à clé. T'as pas les clés? Non. Ah ben écoute, va chercher un tournevis, démonte-moi la porte. Elle me dit, mais je sais pas le faire ça, tout ça. C'est vrai que ma copine allemande, elle avait à peu près 65 ans à l'époque. Hein. Elle était pas toute jeune, elle était pas vieille non plus, elle avait encore sa tête. Hein. Et au moment donné où elle a démonté la poignée, où elle a pu rentrer dans cette fameuse pièce qui était une des pièces où sa fille allait tout le temps régulièrement, elle a trouvé des choses qui n'étaient pas très catholiques, c'est ce qu'elle veut dire. Et là, elle était obligée, comme on dit, de prendre conscience que c'était sa propre fille, son propre sang, qui lui faisait du mal. Des fois, on va chercher très très loin alors que ce sont des personnes très très proches. Il faut faire attention. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je remets mon blouson parce que je commence à avoir des chaleurs. Vous permettez. De m'excuser, mon pull n'est pas aussi beau que celui de Chantal. Et en plus, il clignote pas. Un petit clin d'œil. J'ai voulu acheter un pull de Noël à Intermarché, mais peut-être trop cher. Hein. Oh, mais celui-là, il vient de Carrefour, hein, il vient pas très loin. Hein. Oh, je pense que j'ai envie de revenir sur le problème des comportements, parce que l'essentiel, en fait, est là. Le problème des addictions, notamment, il est évident que toutes les drogues, quelles qu'elles soient, toutes les formes d'addiction, sont des facteurs aggravants pour les portes qui s'ouvrent. À partir du moment où on boit trop d'alcool, où on se drogue, etc., ben là, encore une fois, notre protection psychique diminue et on ouvre les portes à toutes les intrusions. Donc il est extrêmement important de faire attention au comportement. On en parle très souvent au monastère, on s'aperçoit que les gens qui ont des problèmes, la plupart du temps, quand on remonte un petit peu l'histoire de leurs problèmes, on arrive toujours à la même conclusion. Le problème vient d'un comportement. Un comportement erroné, un comportement pervers, un comportement, etc. C'est la plupart du temps le cas. Alors ça peut être aussi, bien sûr, comme j'en ai parlé précédemment, des problèmes de choc émotionnel violent, des deuils, des séparations, tout ça, c'est effectivement une possibilité. Mais la grande majorité des cas, il faut se référer à des problèmes comportementaux. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les spiritualités, ceci a été étudié avec beaucoup d'attention, que ce soit chez les bouddhistes, dans le christianisme, etc.
on a étudié ce problème comportemental qui est en fait à la source de tous les dérèglements de la vie humaine. Vous voyez, le mot péché qui n'est plus tellement à la mode, on n'ose plus dire aujourd'hui, oh là là, il revient encore celui-là avec son péché, etc. En fait, le mot péché vient de l'hébreu, ça veut dire manquer sa cible. Lorsque l'archer manque sa cible, la flèche ne va pas au centre, et lorsque l'être humain manque sa cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être décentré d'avec lui-même, il va être mis hors de lui-même, sa vie va devenir chaotique et il peut se passer à ce moment-là n'importe quoi. Quelqu'un au contraire qui est centré, qui a des comportements normaux, on peut très bien ne pas se priver des plaisirs, etc. Et vivre normalement, en harmonie. Et là va intervenir quelque chose dont on parle encore, c'est le diable. Le diable, ça vient du grec cette fois, hein, le grec diabolos. Diabolos en grec, ça veut dire ce qui sépare, ce qui désunit. Donc en fait, quand l'être humain est décentré, parce que à cause de ses comportements déviants, il sort de la vie harmonieuse, bien le diabolos arrive obligatoirement, hein, puisque c'est le grand séparateur. C'est l'énergie qui va vous désunir, qui va vous mettre à la porte de vous-même. Donc il faut toujours penser à cette chose-là et comprendre que le comportement, le problème comportemental est fondamental dans le problème des possessions ou des intrusions de mauvaise qualité. C'est fondamental, il n'y a pas d'autre solution que de revenir à des comportements corrects. Et vous voyez, l'Église y avait pensé parce que vous vous souvenez peut-être, vous avez dû aller un peu au catéchisme quelque part un jour, et vous vous souvenez, il y avait des péchés qu'on appelait capitaux, les péchés capitaux, ou mortels aussi, hein, quelquefois. Et puis les péchés véniels. Alors aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais si on réfléchit bien, en fait, le péché capital, c'était le comportement qui nous coupait du divin. On se coupe de la source. Et ça, c'est très grave, parce qu'on s'éloigne de la source fondamentale, de l'amour, en fait. Et puis, il y avait le péché véniel, moins grave, qui, lui, nous mettait simplement un peu à distance du divin, nous éloignait du divin. Mais provisoirement, dans le sens où on pouvait y revenir à chaque fois qu'on le pouvait. Donc, il faut repenser aujourd'hui à ça, parce que ça reste d'une actualité complète, totale. Il y a des comportements dans la vie qui nous coupe de la source. Et la source, c'est l'amour. Et à partir du moment où on est coupé de cette source, c'est extrêmement difficile d'adopter de nouveaux comportements qui vont nous y ramener. Bien sûr, si notre déviance est peu importante, on a le droit de se tromper, on a le droit de prendre des chemins de traverse, et puis on en prend conscience, notre discernement revient, notre raison revient, et on revient dans l'axe central de l'être humain. Donc, nous, on est un peu obsédés par ce problème comportemental parce qu'on se réunit, bien sûr, hein, entre exorcistes, on en parle. Et ce qui nous frappe la plupart du temps, c'est ça. C'est l'immaturité des gens qui ont attrapé des problèmes à cause de leur comportement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au nom de la liberté, on adopte des comportements qui sont totalement déviants. Et au nom de la liberté, eh bien, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Il faut rester dans l'ordre cosmique. Il faut rester dans la loi d'amour. Il faut rester dans le discernement. Il faut rester dans la raison. Il faut pas s'écarter de toutes ces choses qui font de nous un être vertical et cohérent. Dès qu'on s'éloigne de ce genre de comportement, c'est catastrophique. Bien entendu, tout le monde, comme je vous le disais, n'a pas ce problème-là lorsqu'il vient nous voir, hein. Il est évident que les chocs émotionnels sont difficiles à gérer et que beaucoup de gens ouvrent malheureusement des portes à cause de ça. Mais ça, c'est beaucoup moins grave parce que lorsqu'on les a libérés, ces gens-là auront tendance à ne pas recommencer. Ce qui nous inquiète aussi, souvent, c'est les gens qui viennent parce qu'ils ont des pratiques occultes, soit des pratiques gravement déviantes, et puis ils se chargent énormément. Ils se chargent énormément et puis on les libère. Mais quand ils rentrent chez eux, ils recommencent.
Donc en fait, ça risque d'être interminable. On va les voir revenir régulièrement ou irrégulièrement jusqu'au jour où on ne pourra plus rien faire pour eux. Parce que ça ne peut pas être interminable. Il y a un moment donné où la surcharge est trop forte et on ne peut plus intervenir pour les gens. Donc il faut faire très très attention à cela, revenir à cette idée ancienne hein, de l'intérêt de surveiller nos comportements. C'est important pour nous, pour notre cohérence personnelle, c'est important pour les autres aussi, d'être en ordre, parce qu'il faut savoir que quand nous avons en nous l'ordre intérieur, qu'est-ce qu'on projette à l'extérieur ? Eh bien, c'est de l'ordre. Et vous avez beaucoup trop de gens aujourd'hui qui, sous prétexte de soigner les autres, de s'approcher des autres, d'aider les autres, ne commencent pas d'abord par eux, hein, donc ils sont souvent des gens mal organisés, hein. Et puis, qu'est-ce qu'ils projettent sur les autres ? Ben, leur désordre. Mais les autres, ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont déjà le leur, ils sont servis à ce niveau-là. Donc, on ne rend pas service aux gens si, avant d'aller vers eux, on ne s'est pas mis soi-même en ordre. Ça, c'est fondamental. Et on n'y pense pas assez souvent. Une fois, je me souviens d'une personne qui m'avait dit, je ne comprends pas, quand je prends une décision dans ma vie, je vais chercher les raisons d'agir au plus profond de moi-même. Et je dis à cette personne, mais vous venez d'expliquer que votre vie est une longue suite d'échecs, d'erreurs et de... Et elle m'a dit, ben oui, je ne comprends pas. Ben j'ai dit, moi, je pense que je comprends. Je dis, si au fond de vous, c'est mal rangé, ce qui émerge va nécessairement être en désordre. Donc ce n'est pas parce qu'on va chercher au plus profond de nous la vérité que c'est la vérité. Donc il faut faire un travail de remise en cohérence de soi-même. Il faut faire un travail de repositionnement, de verticalité, pour pouvoir présenter à l'autre la meilleure partie de soi et pouvoir l'aider. Lorsqu'on est en ordre, on n'a plus besoin de se soucier de ce que l'on fait. Naturellement et automatiquement, on met autour de nous l'univers en ordre. Il y a une porosité et une harmonie entre l'interne et l'externe. L'externe, vous voyez, si le monde aujourd'hui paraît chaotique, ben le monde, c'est l'image de l'addition de toutes les aberrations de la conscience humaine. Pourquoi le monde nous offrirait-il un spectacle un millimètre plus haut que la totalité de ce que représentent les êtres humains? Non. C'est notre image que nous montre le monde. L'incohérence du monde, c'est l'incohérence de l'humanité. Et si parmi cette humanité, je l'espère, il y a quand même un certain nombre de gens qui essayent de faire mieux, il y en a aussi beaucoup qui s'en soucient pas bien. Et ça, vous voyez, le problème là, il est grave, parce que l'être humain, il va toujours vers son principe de plaisir. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller vers ce qui nous fait le plus plaisir. On dit après tout, pourquoi on se priverait du plaisir ? On n'a pas de raison particulière de se priver du plaisir, sauf si ça pose un problème aux autres. Pourquoi on se priverait de la liberté ? Mais encore faut-il s'entendre sur ce que signifie la liberté ? La liberté de chacun doit s'arrêter là où commence la liberté de l'autre. Il y a aussi le problème de cette forme d'amour qui est en fait que de la possessivité. Il y a le problème de cette forme d'émotion qui est en fait que de l'émotivité. Souvent l'être humain, il est dans le côté vulgaire du sentiment noble. Voyez. Quand au lieu d'être dans l'émotion, on est dans l'émotivité, ça ne va pas. Il faut trouver quelque chose de meilleure qualité pour fonctionner. Et on va toujours vers ce qui est facile. Parce que notre univers est conçu de cette manière-là. Notre univers, vous le savez, il est en expansion. Ça s'appelle l'entropie universelle. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses dans l'univers ont une tendance naturelle, obligatoire, à se désorganiser. Mais nous faisons partie de l'univers. Vous voyez, là, on est réunis les uns devant les autres. Et on a forme humaine, on est venu là, plein d'allant et d'optimisme. Et si on refait la même réunion dans 250 ans, vous êtes d'accord avec moi, on aura moins bonne mine. Parce que nous aurons été victimes de la désorganisation de l'univers, parce que notre corps se sera désorganisé, etc. Bon, il y a des choses qui perdurent, de l'ordre de l'esprit, mais de l'ordre de la matière, non, il y aura eu une transmutation. Ça veut dire que l'être humain, il est obligé, toute sa vie, de lutter contre cette tendance naturelle pour les choses à se désorganiser. Vous avez remarqué chez vous,
Bon, chez moi aussi, hein, je n'échappe pas à la règle. Le désordre se met beaucoup plus facilement qu'on a tendance à ranger nos affaires. Vous voyez, je rentre un soir, je pose un pull sur une chaise, une veste sur une autre, mon sac ici, etc. Et puis le lendemain, je fais pareil. Et puis au bout d'une semaine, ça ressemble à la yourte du grand mongol. C'est l'entropie de l'univers. Mais si je veux ranger, ah là, c'est drôlement moins drôle. Parce qu'il va falloir que je fasse un effort. Puis bon, allez, là, aujourd'hui, je range, quoi. Vous avez remarqué, alors on prend le pull, mais là, on le jette pas, on le plie, puis on le met sur une étagère, etc. Il n'y a rien de plus pénible que ça. Mais si vous le faites dans l'esprit de vous ranger vous-même en même temps, parce que si le bazar s'est installé chez vous, c'est qu'il s'est aussi installé à l'intérieur de vous. Donc, j'essaye de faire cet exercice qui est très amusant, de me ranger moi-même dans mon intérieur en même temps que je range mes affaires dans la maison. Et quand je rentre chez moi le soir et que je vois que tout est bien rangé, je me dis, bon, ça va, en ce moment, je ne vais pas trop mal. Mais si je rentre un soir et que c'est le bazar partout, je dis, bon, allez, stop, là, on va remettre un peu d'ordre dans la maison, intérieure et extérieure. Tout ça, c'est un problème comportemental et ça me semble assez fondamental, il faut y penser vraiment. Et c'est pour ça que les choses ne vont pas bien, vous voyez, parce qu'on se trompe sur la nature des choses. Vous voyez, par exemple, on a tendance à se dire que la paix, ben, c'est le contraire de la guerre. Mais pas du tout. C'est encore une fois un problème d'entropie de l'univers. C'est parce qu'on n'est pas capable d'instaurer la paix et de la maintenir que par la loi du désordre, la guerre s'installe. Vous voyez, c'est, la paix, ce n'est pas un état qui va de soi quand il n'y a pas de guerre. C'est la guerre qui va de soi lorsqu'on n'est pas capable d'élaborer la paix. Donc ces mécanismes-là, tant qu'on ne les a pas compris, tant qu'on ne les a pas conscientisés avec beaucoup de discernement, on va en être victime. Et alors, on va avoir un comportement incohérent, une vie qui ne va pas nous rendre heureux, et on va toujours chercher la responsabilité chez le voisin. Vous voyez, ça ne va pas. Un autre jour, quelqu'un m'a dit, je ne peux pas aller à Paris parce que la CGT a mis les trains en grève. Oui, bien sûr, c'est l'extérieur, c'est la CGT. Hein. Et moi, j'ai dit à cette personne, et tu ne trouves pas bizarre que tu as précisément envie d'aller à Paris le jour où les trains n'y vont pas? Ça veut dire qu'entre ce qui n'est pas manifesté et ce qui est manifesté, quelquefois la frontière elle est assez mince. Et il faut essayer de bien comprendre tous ces mécanismes subtils, hein, qui agitent notre vie, de manière à ce que ce soit nous qui gérons notre vie et pas notre vie qui nous gère. Vous voyez, nous avons des comportements qui quelquefois nous jettent à la porte de nous-mêmes. Si on n'est pas centré, si on ne gère pas notre vie, ne vous inquiétez pas. La vie, elle va s'occuper de vous. Elle va vivre à votre place la vie que vous devriez vivre et vous êtes jeté à la porte de vous-même. Donc il faut une vigilance de chaque instant pour lutter contre cette tendance naturelle qu'ont les choses à se désorganiser pour rendre notre vie plus cohérente et plus heureuse. Je vais peut-être passer aux questions. Si vous avez des questions pour Chantal ou moi-même, comme vous voulez. Peut-être pas de questions parce qu'on était... Je vais passer. Si vous avez une bonne voix, sinon, enlevez le masque. Passer le micro. Oui, on dit toujours que quand quelqu'un fait de la magie sur quelqu'un d'autre ou jette un sort ou quoi, il y a un retour sur la personne qui fait le mal. Ça peut être vrai, mais ça n'est pas toujours. Si la personne qui fait de la magie n'a pas un très haut niveau de magie, si c'est quelqu'un qui bricole, effectivement, il peut y avoir un retour. Mais si vous tombez sur un magicien, entre guillemets, professionnel dont la nature profonde est de faire le mal, vous pouvez faire tout ce que vous voulez,
ça ne disparaîtra que le jour où il va mourir. Donc il peut continuer éternellement. Il peut continuer. Alors pourquoi est-ce que ça ne continue pas éternellement? C'est que les gens qui en veulent à d'autres gens, quelquefois payent les services de ces gens-là et ils ne vont pas les payer pendant 20 ans. Donc ça peut durer quelques mois, quelques semaines, quelques années, mais il y a toujours un moment ou un autre où ça s'arrête. Puis quelquefois, c'est un problème plus complexe, c'est-à-dire que la magie a mis une information à l'intérieur de la personne et ça peut aller très loin puisque ça peut devenir transgénérationnel. Ah d'accord. Et là, ça se complique beaucoup. Alors là, c'est compliqué. On peut couper le schéma, mais c'est complexe. D'accord. Merci. J'ai bien répondu, Chantal ? Oui, très bien. La malédiction, comme tu peux rebondir. Ah oui, la malédiction. Alors, une malédiction, ça peut toucher entre 100 ans, 200 ans, une génération, deux générations, trois générations, ça peut aller jusqu'à 300 ans de malheur, 400 ans de malheur, tout ça. Donc, travailler, comme le disait Père Gérard, sur le transgénérationnel et aller chercher par rapport aux ancêtres, par rapport, je sais pas, une grand-mère, un grand-père, des dates ou autres, des événements, dans l'événementiel. Par exemple, dans des familles, des femmes qui restaient toujours seules ou des femmes qui ne se mariaient pas et tout ça, eh bien, il faut remonter, aller chercher dans les mémoires akashiques pour pouvoir travailler là-dessus. Oui, mais quand on ne connaît pas une partie de la... Il faut essayer d'avoir le maximum. C'est pour ça que la généalogie devient de plus en plus à la mode parce que les gens vont se renseigner sur tout ce qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et voir qui c'est qui était bien, pas bien et tout ça. Quand il y a les mêmes situations qui se répètent... Qui se répètent. Donc travailler sur le transgénérationnel, c'est très très bien. Est-ce que tu peux rajouter que quand quelqu'un fait de la magie, ça ne touche pas que la personne qui est concernée, ça peut toucher toute la famille qui est autour? Ah oui, ça peut toucher. Alors, comme le disait Aurore, ça peut toucher la personne, mais ça peut toucher toute la famille qui est autour. Et c'est ce qui va faire que dans une famille, eh ben, je me rappelle avoir côtoyé un monsieur dans la région de Lille. Toute la famille, je dis bien toute la famille, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère, la fille, le fils, le mari, la femme, le beau-frère, la belle-fille, tout ça, les enfants et les petits-enfants, tous étaient atteints du cancer. Donc là, on se pose effectivement des questions. Vous avez répondu à ma question, je voulais juste avancer. Je me posais pourquoi c'était les enfants, par exemple, voilà, qui avaient rien demandé. Voilà, parce qu'ils n'ont rien demandé, les enfants, mais c'est peut-être par rapport à ce qu'on appelle alors, la programmation cellulaire, par rapport à l'histoire de la mère ou quoi. Dernièrement, d'ailleurs, je ne sais pas s'il me voit aujourd'hui et tout, j'ai rencontré un jeune homme avec sa maman, un jeune homme magnifique dans la région de Vannes, en Bretagne et tout ça. Et ce gamin, il ne comprenait pas, il me dit, mais pourquoi j'ai autant de mal? Un beau jeune homme et tout ça, qui est très intelligent, tout ça, mais ça venait de sa grand-mère. Je lui ai dit, mais tu as une grand-mère qui était sorcière et qui l'est toujours. Qui faisait sur lui. Et qui faisait... En fait, lui, elle a fait sur sa propre fille, mais quand sa fille était enceinte de ce fameux jeune homme, lui, il a tout pris sur lui, et depuis le ventre de sa mère, il était touché par cette magie. Alors il était là, il me regardait, et puis je prenais des gants pour essayer de me faire comprendre. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé des différents types de magie. Oui. La parole. La mauvaise parole. La mauvaise parole. Comme on disait tout à l'heure, la shonara en hébreu, ben, la mauvaise... quand les gens qui souhaitent des choses, oui. Vous savez que le souhait, c'est une puissance, que c'est important, hein, parce que le verbe, il s'est fait chair, et par le verbe, par la verbalisation des choses, on peut souhaiter des mauvaises choses aux gens. Pas que le mauvais œil, la mauvaise parole et le mauvais regard aussi. Parce que j'ai des enfants et je leur dis toujours, faites attention à ce que vous dites. Exactement. Parce que vous allez avoir le retour. Bien sûr. C'est quoi ce mécanisme? C'est le retour de l'énergie. C'est le retour d'un boomerang, La pensée créative. Vous n'avez pas un seul coup de canon qui éclate à une frontière, qui a d'abord germé dans le cerveau d'un général. C'est la pensée qui mène le monde. Si vous accomplissez un acte, il a d'abord été une pensée. À partir du moment où vous émettez une pensée, elle part. Et va aller se poser sur quelque chose de plus faible ou quelque chose qui est en adéquation vibratoire avec la qualité de cette pensée. C'est la raison pour laquelle existent des entités, des égrégores comme le nazisme. Parce que c'est des égrégores de pensée. Oui. Tout le monde pense la même chose, mais dans un but de destruction, d'anéantissement, etc. Mais on peut faire la même chose dans le bien.
bien entendu. Hein. Mais les mécanismes sont strictement les mêmes, que vous agissiez pour le bien ou pour le mal, les mécanismes sont les mêmes. Sauf que pour le mal, c'est plus facile. C'est plus facile de faire le mal. Eh oui, c'est plus facile, parce que le mal, c'est la décohérence, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça laisse la place aux sentiments les plus vils. En revanche, la paix, comme je vous disais tout à l'heure, ça demande de la cohérence et un effort de remise en ordre. On retombe toujours, vous savez, dans les mêmes principes. Ici, là, attends, il y a la tête à micro, mais... Vous ne la voyez pas. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, je ne vous vois pas, je vois que les yeux. Ah, merci. J'ai deux questions, en fait, qui n'ont rien à voir. Une, est-ce que vous pouvez nous parler des protections? Oui, des protections, oui. Mais en quoi ça consiste et comment ça... La protection, c'est se protéger pour ne pas être traversé par le mauvais œil, des trucs comme ça. Alors, vous savez que depuis la nuit des temps, ça existe, puisque depuis le Moyen-Âge, on les appelait les sorcières, les birettes, d'accord? Et croyez-moi, il y en a. Hein. Et donc, depuis le mois, il a toujours existé le bien, le mal. Si vous prenez le fameux bing-bang, avec le départ de la vie, où il y a ce qu'on appelle le jour, la nuit, le plus, le moins, la lumière, les ténèbres, ça a toujours plus ou moins existé. Dans le bien, il y a ce qu'on appelle les protections. Vous allez, par exemple, en Turquie, vous achetez un œil bleu turc pour vous protéger contre le mauvais œil. Vous savez qu'on porte un pendentif ou autre, un bout d'oreille, qu'on peut mettre à l'entrée des maisons. Vous avez la prière aussi. La prière, c'est quand même quelque chose qui est très très important. Alors celui qu'on va prier pour contre les attaques occultes et tout ça, c'est Saint-Michel Archange, le prince de la milice céleste contre les forces du mal. Et vous pouvez aussi prier Saint-Benoît. Saint-Benoît. Dans Saint-Benoît, il y a des gens qui confondent. Il y a Saint-Benoît Joseph de Labre, qui est un saint qu'on retrouve dans le nord de la France, qu'on prie pour avoir quand on a des problèmes de sous et qu'on veut avoir de l'argent, qu'on a des problèmes financiers, et Saint-Benoît, l'ordre de Saint-Benoît, qui est un moine bénédictin, comme l'indique, ce sont des moines qui pratiquent ce qu'on appelle l'exorcisme. Vous allez dans des abbayes bénédictines, il y en a un peu partout en France, et vous pouvez demander ce qu'on appelle, vous allez acheter ce qu'on appelle la fameuse médaille de Saint-Benoît, ou la médaille de Saint-Michel, en la portant sur vous, qui vous protégera. Mais il faut qu'elle soit bénite. Pour bien faire, normalement par rapport aux bénédictions, je ne sais pas si le père Gérard va être avec moi, d'accord, il faut renouveler la bénédiction. Normalement, une vraie bénédiction sur une médaille, il faudrait la renouveler chaque mois, une fois par mois. Oui, faut faire. Bon, j'ai dû me tromper de Saint-Benoît parce que je ne suis pas très riche. Elle vient de m'éclairer, là, j'ai compris. Sur Saint-Benoît Joseph de Labre. Voilà, oui, c'est ça. En fait, je me demandais, parce que j'ai rencontré un exorciste, et en fait, il m'a protégée. Et il y a d'ailleurs une personne qui est dans cette salle, qui soigne, et qui, quand elle a voulu me soigner, a dit « Je ne peux pas vous approcher parce que vous êtes protégée. » Oui. Et donc ça, c'est quel genre de protection? C'est ça, Alors ça, c'est une par rapport à votre aura, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a mis dans votre aura une protection invisible, mais qui peut être perceptive pour quelqu'un, par exemple, comme moi, quand je fais la lecture de l'aura sur une personne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que des fois, il y en a qui racontent n'importe quoi. Hein. Non, je pense que c'est vrai. Ah ben non, là, la personne, elle est là, elle peut témoigner. Oui, je pense que c'est vrai ce qu'elle a raconté. C'était vraiment flagrant. Oui, c'était très fort. Ça m'a vraiment étonnée, parce qu'elle a dit, ah non, non, je ne peux pas, là, il faut que je demande la permission, je ne peux pas vous approcher, vous êtes protégée. Oui. C'était vraiment... Oui, mais cette personne, c'était pour quelque chose de bienveillant pour vous. Oui, c'était pour me soigner. Pas pour faire quelque chose de mal. Hein. Non, non, au contraire. Non, mais c'était par rapport. C'était quelqu'un qui vous a mis soit dans un tube ou, comme on appelle ça, un carcan qui fait une coque de protection. Pas une coque de noix, mais une coque de protection. Oui, mais ça ne protège pas de tout, précisément. Non, pas de tout. Et je dirais, moi, pour moi, personnellement, aide-toi et le ciel t'aidera. Le problème des gens qui se font souvent, 8 fois sur 10, pardon mon père, exorcisés, une fois qu'ils sont exorcisés, ils disent ça va mieux, hop, moi j'arrête de prier, j'arrête de faire ci, j'arrête. Ben non, faut pas arrêter. Ça reviendra. Parce que ça peut revenir, rien n'est inestable, ça peut revenir au, et même des fois au galop et tout ça. Donc je dirais pour moi, ça fait partie de l'évolution spirituelle aussi. Ça nous arrive fréquemment d'avoir des gens qui viennent, sans aucune croyance, sans aucune préoccupation spirituelle. Et lorsqu'ils nous quittent, on leur dit, ben, si vous pouvez, on a une petite chapelle à côté, prenez un petit moment de méditation, de réflexion, pour remercier, parce qu'on vous a libéré. Et puis, les gens nous disent, ah, mais je crois en rien. On dit, mais quand même, on vous a libéré au nom du Christ.
Et dernièrement, il y a une dame, elle nous a dit, de toute façon, j'en ai rien à faire de vos bêtises. Mais elle était quand même venue. Donc, alors bon, ça nous fait rire, hein, parce que c'est pas grave. Mais c'est dommage, parce que c'est pas aussi simple que ça. Ouais. L'autre question concerne... Oui, l'autre question concerne Fabre Pio. En regardant le film, enfin, en regardant la vie qu'il a eue, lui, il a eu affaire à des... Enfin, la nuit, en tout cas... Pas que la nuit, madame, le jour aussi. Hein. Le jour aussi, il y a des attaques incroyables. Et alors lui, en fait, il s'est jamais fait aider ou c'était tellement puissant pour... C'était très puissant. Fabre Pio, comme on l'indique le nom, c'est un moine... comment on appelle ça Saint-François d'Assise. Non, c'est pas un moine bénédictin, mais c'était de l'ordre de Saint-François et de Saint-Antoine. Un franciscain, comme on dit. Hein. Donc lui, il avait les attaques du démon, tout, que ça, c'était de la journée, parce que quand on le relevait dans sa cellule où il était, cher Padre Pio, dans sa maison à Saint-Rotondo di Giovanni, eh bien, il était couché par terre, et quand on arrivait, il avait la table cassée, les chaises cassées, tout ça, il avait vécu. C'est un moine qui avait le don de bilocation, il pouvait biloquer, comme l'indique le nom, ça veut dire être à deux, trois endroits en même temps, et il avait les stigmates du Christ. Je pense qu'il priait beaucoup, et je dirais, comme beaucoup de gens, plus vous priez, plus vous allez être attaqué, parce que plus on dérange. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Mais c'est pas pour ça qu'il faut autant arrêter. Alors, il y a de nombreux exemples hein, dans le christianisme, où les saints, le curé d'Arc s'était attaqué. On disait que le diable mettait même le feu à sa paillasse. Hein. Et il y a beaucoup d'autres exemples. En fait, si vous voulez, la lumière inquiète les ténèbres. Hein. C'est quelque chose de ce genre-là. Et c'est vrai que beaucoup de ces gens-là ont été attaqués. Alors, évidemment, ça tombe toujours sur des gens extrêmement mystiques, hein, qui ont un degré d'élévation spirituelle mystique très, très poussé et qui sont l'objet de ces attaques. Ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas être un saint ou quelqu'un de très très bien. Hein, si vous n'êtes pas attaqué par le démon tous les jours, ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un de bien. Hein. Rassurez-vous. Bonjour à vous. Je voulais vous savoir à partir de quel moment on doit savoir qu'on doit se faire désenvoûter. On le sent. Oui, c'est ça. C'est personnel. On va le sentir. À un moment donné, il y a une prise de conscience et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas mettre un nom ou un mot dessus, mais on va le sentir physiquement. C'est comme un baromètre. Physiquement, vous ressentez. Vous pouvez avoir aussi votre entourage qui vous dit... Qui vous reconnaît. Il y a des moments où vous débloquez un peu, ça peut être aussi ça. Voilà. Merci. Et au niveau des paralysies du sommeil, Que vous pensez... Paralysies du sommeil peuvent être des attaques, parce que c'est pendant la nuit qu'on a beaucoup d'attaques. Ah, c'est fréquent, c'est un symptôme de magie assez fréquent. Oui. Et si ça nous arrive, c'est un des symptômes. Pour vous faire dégager. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Est-ce que tu peux expliquer que quand on fait le bien, souvent qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire des exorcismes et tout ça, alors qu'ils ne sont pas... Oui, il y a beaucoup de gens qui se nomment exorcistes et qui ne le sont pas. Moi, je dirais qu'il faut laisser à César ce qui appartient à César. Bon, il faut laisser à des prêtres exorcistes. Hein. Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour, Chantal, bonjour, monseigneur, bonjour. Dans les religieuses hein, ou les laïques consacrées femmes, existe-t-il des... Alors, dans l'église catholique romaine, non. Nous sommes une église romaine, mais d'obédience anglo-saxonne. Nous avons, si une femme présente, on est aussi exigeant avec les femmes qu'avec les hommes, hein, si une femme présente les caractéristiques nécessaires à l'exorcisat, on ne voit pas pourquoi la femme ne le fait pas. Mais dans l'église catholique romaine, la tradition s'y oppose quand même assez énergiquement. Hein. Nous, on n'y voit pas d'inconvénient. On a une chanoinesse exorciste en Auvergne qui travaille bien. Là, pardon, je ne vous avais pas vu. Bonjour. Une question. Est-ce que le mal prend possession de l'enveloppe charnelle ou de l'âme? Et si c'est l'âme, est-ce que ça se répercute sur différentes réincarnations? Oui, ça peut se répercuter sur plusieurs réincarnations. Et c'est l'âme. L'âme? L'âme. Et après, le corps physique, malheureusement, parce que quand on a des attaques occultes, au niveau physique, on a des impacts, on peut avoir plein de choses qui se passent. Hein. Mais je dirais, avant tout, c'est votre âme. Alors l'enseignement chrétien est un petit peu,
Il y a une petite nuance, c'est que l'âme appartient à Dieu. Voyez. Et on part du principe que le diable ne peut pas s'emparer totalement de ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a jamais la perdition totale, si vous voulez. Dans l'âme, vous avez deux choses. Vous avez l'anima, latin, qui a donné le mot animal, qui nous anime, qui fait qu'on est vivant. Et lorsqu'on meurt, l'anima disparaît, on est mort. Mais il reste une partie de l'âme qui est l'esprit, qui est du domaine de l'esprit, qui lui survit. Qui survit au corps, qui survit, etc. Et cet esprit-là, lui, il traverse le temps. D'ailleurs, il fonctionne pas en termes de temps. Quoi, voilà. Donc, il y a toujours la possibilité, à un moment ou à un autre, de revenir dans le divin. Il n'y a pas de problème. L'âme appartient à Dieu. L'âme ne nous appartient pas. Dans le christianisme, même, on part du principe que le corps même ne nous appartient pas. On n'est pas propriétaire de notre corps. Hein, dernièrement, il y a une personne qui m'a dit « Mais moi, je fais ce que je veux de mon corps, je suis propriétaire. » Puis le jour où vous serez dans votre cercueil, vous brandirez votre titre de propriété. Hein, vous direz « Je suis propriétaire. » Et l'autre, il va visser le couvercle. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. On est propriétaire de rien. En fait. On n'est que de passage. Voilà, on n'est que de passage. Bonjour. Bonjour. Pardon. Une petite question, justement. On peut s'apercevoir des fois sur des photos. Tout à fait. Qu'il y a des signes qui sont présents. Même, ouais. Et est-ce qu'on peut protéger justement ces personnes-là concernées? Je prends un exemple tout bête. Hier soir, j'ai mon conjoint qui m'a envoyé une photo. Et en fait, j'ai vu un visage sur son genou. Oui. Mais qui n'était pas très jojo, quoi, en fait. Non, quitté. Donc, je sais que, par exemple, avec le bretelle, on peut faire des choses en se couchant en bretelle ou en se protégeant. Mais est-ce que du coup ça peut être un symptôme? La première des choses, madame, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Si vous voulez aider votre conjoint, déjà c'est premièrement de l'avertir de ce qui se passe. Après ça va lui appartenir parce que si cette personne a une prise de conscience et veut s'en sortir et essayer de faire quelque chose, là oui. Mais si vous voulez aider votre conjoint mais qui n'y croit pas, qui ne veut pas être aidé, c'est très difficile. Nous, on est prophète dans sa propre paroisse, comme on dit toujours. Hein. Donc la première des choses, c'est de faire prendre conscience à la personne, et après que la personne, si elle peut, d'aller consulter ou d'aller voir quelqu'un. Dernièrement, je voulais juste citer, j'ai voulu récupérer une photo d'une jeune fille que j'ai connue africaine et qui était partie en vacances retrouver un de ses chéris sur la Suisse, et elle me sort une photo de ma vie. Je n'ai jamais vu une photo pareille, avec des manifestations, un truc, en plein dans la journée, un trait noir, un truc. J'ai dit, j'aimerais bien que tu me donnes. Elle me dit, Chantal, je ne peux pas te donner cette photo parce qu'il y a mon visage qui est dessus. Mais avec des manifestations, ce qu'on appelle très puissantes. Cette jeune fille ne voulait pas aller se faire des emboutées. Alors, cette jeune fille, je l'avais vue 3 ans auparavant. Je lui avais dit qu'elle était chargée et tout. Elle m'avait dit, oui, j'irai voir quelqu'un. Elle n'a jamais été voir. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose. Cette personne, 3 ans après, je la revois. Elle était exactement au même stade que 3 ans auparavant, et si ce n'est plus, encore plus chargée. C'est délicat, hein, très délicat, madame. C'est délicat. Il en a pris conscience que je lui ai dit de regarder ce qui se passait au niveau de son. C'est très bien. Et après, l'important, c'est que lui prenne conscience et qu'il veuille s'en sortir et qu'il veuille essayer de faire quelque chose. Et est-ce que ça peut être dû justement à un choc émotionnel, hein? Oui, aussi. On est plus réceptif finalement. Bien sûr, quand on est réceptif, bien sûr, les chocs émotionnels. Et puis aussi, aller dans des lieux aussi. Vous savez, les lieux qui sont très chargés. Vous allez dans une maison ancienne, vous allez chez quelqu'un, quand vous rentrez dans une maison, vous vous sentez bien, vous vous sentez mal, vous avez des entités partout. Donc, vous ne savez pas si vous avez attrapé quelque chose de bon ou de mauvais. Beaucoup de personnes allaient dans les cimetières aussi, rigoler la nuit et tout. Alors, on dit que dans les cimetières, il y avait ce qu'on appelle les fameux faux-follets, mais dans les cimetières, il se passe beaucoup de choses. Donc, vous pouvez ramener des entités aussi chez vous aussi. C'est ce qui peut expliquer certaines fois où on peut se sentir un peu pas repoussé par la personne, mais en fait... Qui va faire que vous allez sentir une énergie, tout est énergie, vous allez vous sentir mal vis-à-vis de la personne. Okay. Exemple, vous prenez un transport en commun, vous prenez un bus, un métro... Le bus ou le métro, il est bondé, vous n'avez pas remarqué, c'est plein, donc il n'y a pas beaucoup de place. Les portes s'ouvrent, vous devez rentrer.
ben vous allez ressentir, c'est ce qui va faire que vous allez ressentir que vous allez aller plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Puis vous allez vous installer, vous allez prendre la barre pour vous tenir parce que vous êtes dans un bus, dans le métro pour vous tenir. Puis vous ne sentez pas très bien, vous lâchez la barre, vous allez de l'autre côté alors que le truc, il n'y a pas de place. Quoi, vous voyez. Donc c'est cette sensation de ce ressenti par rapport au niveau énergétique aussi qui est très important. Et du coup, quand on côtoie ces personnes-là régulièrement, est-ce qu'on peut se protéger nous-mêmes? Oui, par la prière. Il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'on est agressé. Si vous n'en prenez pas conscience, c'est du velours pour la personne qui veut vous attaquer. Mais si vous en prenez conscience, rien que ça déjà vous protège. Mais il faut savoir aussi qu'une personne qui est chargée négativement, vous pouvez être chargé et la personne peut avoir rien. Rien que le fait que vous soyez juste à côté, sans la toucher ou même en la touchant, vous allez forcément, comme le dit le père, déposer des miasmes sur la personne. Donc imaginez, comme il a dit, une personne qui soigne quelqu'un, qui est chargée, va déposer des choses qui a elle-même des choses négatives sur la personne qu'elle soigne. C'est pour ça que c'est très important, comme il a dit, de prendre d'abord soin de nous soi, avant pouvoir de autres. Pouvoir soigner les autres. Parce que vous allez peut-être rendre plus malade l'autre personne qui était déjà pas bien, comme il a dit. C'est important. Donc vous, que vous côtoyez votre conjoint, vous prenez forcément des choses négatives sur vous. Il y a aussi le problème de la densification de l'énergie, parce que une entité, c'est une énergie. Alors, comme vous dites, vous pouvez apercevoir sur une photo une image floue, c'est une possibilité. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. L'entité, elle peut se densifier au point d'apparaître. C'est l'explication des fantômes, des spectres, des choses comme ça. C'est-à-dire, nous, il nous est arrivé une fois à notre prieuré à Saint-Laurent-du-Var. Nous avons un escalier qui est visible depuis une pièce et on a une lumière qui s'éclaire par détection de présence. Et on a vu la lumière s'éclairer dans l'escalier, ça fait quelques années de cela. Et comme on a beaucoup de chats, j'ai pensé que c'était un chat qui passait. Et puis j'ai regardé, nous étions tous là. Donc l'escalier était censé être vide. J'ai foncé dans l'escalier pour voir s'il n'y avait pas un chat. Il n'y avait personne. Et pourtant j'avais vu passer une personne devant les trois fenêtres qui donnent sur cet escalier. En fait, c'était une entité qui était là. Bon, on en a plein, c'est normal avec le travail qu'on fait, ça ne nous gêne pas beaucoup. Et alors, c'était une entité suffisamment densifiée pour déclencher un détecteur de présence. Ouais. Donc ça peut aller jusque là. Ouais. C'est pas impossible du tout. Donc il y a avec toutes les étapes possibles là, entre les deux. Et alors c'est pour ça qu'on peut être, par exemple, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, bousculé violemment par une entité que vous ne voyez même pas, mais une présence qui est là, suffisamment identifiée pour agresser physiquement. C'est possible. Bonsoir. Entendre tout ça, et notamment que le padre Pio a subi des attaques assez fortes. Malgré pas que lui d'ailleurs, madame, pas que lui. Beaucoup de saints. Malgré sa spiritualité, et des personnes aussi que je connais, qui étaient beaucoup dans la prière, et qui sont chopées des entités, je me demande quel sens ça a, pourquoi ça leur tombe dessus à elles. Parce que c'est un combat, madame, entre le bien et le mal, tout simplement. Oui, quel sens ça a? Parce que la lumière est plus forte. Hein. La lumière, lui, est toujours dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas forcément bien reçu. Voilà, madame. C'est exacerbé en ce moment. C'est le problème. Oui, actuellement, oui. C'est le problème. Il y a une recrudescence. Pardon? Comment on peut s'en sortir? Ben déjà, je dirais par une évolution spirituelle, par la prière, par faire un grand travail sur soi, madame. Et ne dites pas pourquoi, moi, malgré leur spiritualité, ils ont ce problème. Dites à cause de leur spiritualité, voilà. Ils ont ce problème. Voilà, c'est pareil. Bonjour. Bonjour. À partir du moment où on reçoit une malédiction familiale par rapport à nous, enfin moi, j'ai eu un problème en fait dans ma vie. À 17 ans, je suis rentrée dans une secte, j'en suis sortie à 31 ans. Oui. En sortant, j'ai fait sortir 18 personnes avec moi. Bravo. Voilà, et donc le problème c'est qu'on était 70 et les gourous en fait pratiquent la magie à un haut degré. Donc moi j'ai été maudite, ma famille aussi, on a été voués au feu de l'enfer, enfin bref c'était l'horreur quoi. J'ai eu des manifestations très puissantes de magie, à tel point que j'ai eu des épingles dans une robe qui sont apparues, vraiment des trucs très très lourds. Je me suis déjà fait dégager, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai une vie de prière, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Mais comment on fait pour protéger sa famille de tout ça? Parce que dans ma famille, il y a eu des manifestations.
quand vous parlez de votre famille, votre femme, vos enfants, ou vos parents, vos frères, vos soeurs? Tout le monde, parce qu'en fait, l'histoire de cette secte, en fait, c'était que si on suivait les gourous, nos familles étaient protégées et donc tout allait bien. À partir du moment où on sortait de la secte, on était maudits et tous les malheurs pouvaient nous arriver à nous et nos familles. Alors, là, si vous voulez, en règle générale, ça ne peut pas durer éternellement, mais cette malédiction, elle est là, elle a été posée. Il faut la couper. C'est pas compliqué. Mais on la coupe normalement individu par individu. Il faudrait que tout le monde vienne et on fait un dégagement chaque fois et on voit ce que ça donne. Parce que souvent, vous savez, c'est souvent l'idée que vous avez là-dessus est parfois plus forte que la réalité. Parce que c'est pas parce qu'ils vous ont dit que vous aviez une malédiction qu'il y a réellement cette malédiction. Mais il suffit que vous en soyez persuadé pour que ça fonctionne. Voilà. Donc il faut déjà arriver à vous libérer de ça, vous faire dégager, on verra bien, en dégageant, on voit s'il y a quelque chose ou pas. Un exorcisme permet de voir si vous hébergez justement ce genre d'entité négative ou des morceaux de conscience, des lambeaux de conscience de mauvaise qualité. Donc on peut vous informer de ce qu'on a trouvé, de ce qui est sorti. Et à ce moment-là, si on fait deux ou trois personnes et qu'on s'aperçoit en fait qu'elles n'ont pas grand-chose, si vous voulez, c'est que... En fait, il n'y a rien de... Mais comme vous êtes passé dans cette secte où on vous a donné ces informations, elles ont laissé un impact en vous, voyez, c'est de l'information. Et cette information-là, elle est toujours là et elle est toujours agissante. Et c'est de ça que vous devez vous libérer. La vraie protection, mais bien sûr, c'est bien. Il faut prier, il faut... Mais la vraie protection, ce n'est pas de construire un mur autour de vous pour vous protéger de l'extérieur, parce que ça va vous isoler aussi. Et vous arriverez toujours à trouver une force qui va briser ce mur. Au contraire, il faut ouvrir votre émotionnel aux choses qui arrivent de l'extérieur, les recevoir, les laisser passer, mais avec un cœur bien centré, et vous retenez que ce qui vous intéresse. Le reste, vous le laissez passer. Plutôt que d'être un mur contre lequel les énergies négatives vont se briser, soyez un océan dans lequel elles vont se perdre. Voyez ? Et vous ne gardez que ce qui vous intéresse, que ce qui est bon, que ce qui est lumineux. Le reste, ça ne vous concerne pas. Mais si vous êtes persuadé du contraire, ça va être très actif. Après, vous pouvez demander à ma mère si c'est vrai, si votre famille a été maudite, ça ira beaucoup plus vite. Je pense. Moi, je pense que. Non, mais moi, je pense qu'en prenant conscience de tout ce que vous avez, en faisant vérifier par rapport aux membres de votre famille, ça, c'est très intéressant de voir si toute la famille est touchée ou pas. Mais est-ce que toi, tu crois qu'il y a une malédiction sur sa famille? Je pense que le gourou s'est vengé, ça, c'est clair. Donc, c'est oui. Ah non, ils devaient pas être contents parce que vous, en fait, pour moi, vous leur avez glissé entre les mains, ça, ils aiment pas ça, ces gens. Il a perdu des effectifs. Voilà. Non seulement, puis ça, puis si, ils sont bloqués maintenant au Maroc, s'ils reviennent à cause de nous, ils vont en prison, donc ils ont très peur. Ben voilà, donc moi je pense qu'il y a un travail à faire, de dégagement à faire sur vous, monsieur, et peut-être même sur les membres de votre famille, comme le disait le père Gérard, je suis d'accord. Merci. Les filles, moi, là, je voudrais... Ah, maintenant, on arrête. Oui, bon, c'est bon. Ah, une dernière, après. Vous avez deux minutes pour en faire deux? Non, mais c'est pas grave. On parle souvent d'entité, et on parle aussi de diable. Comment on les reconnaît? Enfin, je pense parce qu'ils ont peut-être le tutoiement facile. Comment c'est? Ils ont le tutoiement facile? On vous entend pas, madame. On vous entend pas, vous parlez pas dans le micro. Il marche pas, je crois. Ah, ben, il marche pas le micro. Il marche ou pas? Parlez plus fort, s'il vous plaît, pour les gens. Je disais, des fois, on parle de diablotin, oui, dans les entités. Et en fait, je voulais savoir comment on les reconnaît. On les reconnaît pas, je dirais, on les ressent. Diablotin, ça rentre pas dans le vocabulaire des exorcistes, par exemple. On parle d'entité, on parle d'entité démoniaque. Diablotin, c'est sympa. C'est mignon, un petit diablotin. Moi, je dirais d'abord de les ressentir aussi, puis ils vous parlent. On les ressent beaucoup par rapport aux gros mots, aux insultes qu'on peut avoir. Hein. D'accord. Si vous entendez des voix avec beaucoup de gros mots, des insultes et tout ça, c'est que... Du tutoiement déjà. Merci, voilà. Ou les gens qui rentrent dans un édifice sacré, par exemple, et qui commencent à proférer des insultes, et des... Voilà. C'est aussi un signe de possession. Est-ce que tu peux lire la date? Après, tu peux lire juste le dernier petit texte? Je l'ai lu. Non, le dernier texte. Quel texte? Dans ta
bon? Oui. Donc bonjour. Bonjour. Voilà, moi j'ai vu à 9 ans dans la cuisine, j'étais en train de manger avec mes parents, mes frères et sœurs, et j'ai tourné la tête et j'ai vu le diable. C'est-à-dire qu'il était représenté, une hauteur un peu comme ça, avec plein de poils orange. Donc j'ai vite remis la tête, regardé, il n'avait plus rien. Donc est-ce que ça peut être une hallucination? Est-ce que... Non, ça peut être aussi plusieurs choses. On peut avoir des représentations comme on trouve dans les dessins d'église ou de livres. J'ai une éducation catholique, oui. École privée. Oui. Ce sont des mémoires qu'on véhicule à travers le temps, et qui surgissent à des d'accord. moments donné. Donc c'est une hallucination ou il est réellement là? Avec du poil orange, ça m'intéresse. Faudrait que... En tout cas, dans mon esprit d'enfant, il était plus grand et là, il était petit. Oui. Voilà. J'avais des attaques. Bon, tu veux que je voilà. Juste le dernier truc. Je vais terminer là-dessus. Tiens. En principe, je peux pas passer. Il y a la tête. Merci. En principe, le mâle fait plus de bruit que son vacarme infernal. Couvre le champ plus doux de bien. Et que son ombre est plus longue. Mais tout n'est qu'apparence, parce que ce n'est pas l'ombre qui commande, c'est la lumière. Et la lumière décide combien de temps vivront les ombres. La lumière est le chef d'orchestre qui parfois te met à l'épreuve, qui t'oblige à t'exercer beaucoup, qui te fait saigner les bouts des doigts sur les cordes d'un violon, sur les touches du piano, et t'épuise les poumons de la trompette. Par la trompette, pardon. Par la cruauté, pas par cruauté, mais pour que la musique soit finalement parfaite. Et rien n'arrive par hasard. Si vous arrive quelque chose, rien n'est par hasard. Avant d'envoyer en l'air la possibilité de faire partir d'un miracle, c'est bien d'y penser au moment et de lui donner une chance à la lumière. C'est un texte qui est écrit par Arline Torrent. En parlant de Padre Pio, je voudrais te donner un petit exemple. Pourquoi le mal dans le monde? Réponse. Padre Pio disait, écoute-moi bien. Imaginons une mère en train de broder, son petit enfant assis sur un tabouret là, tout proche d'elle. Le regarde travailler, mais par-dessous, à l'envers, il voit les nœuds de la broderie, l'enchevêtrement des fils. Et va alors rétorquer à sa maman. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ton travail est tout embrouillé. Ben oui, puisqu'il voit l'envers du décor. Alors sa mère abaisse le tissu et lui montre le bon côté de là où elle vient de travailler, de la broderie. Chaque couleur est bien à sa place et la variété des fils se fond dans l'harmonie du dessin. Nous voyons l'envers de la broderie. Nous sommes assis sur le petit tabouret et nous voyons souvent l'envers le beau côté de la broderie et pas l'envers du décor. Ou le contraire. Ou tout le contraire. À vous de choisir. C'est fini. Voilà, merci.